Tout le monde est là, c'est bien, ça fait plaisir. Tout le monde est là, bonsoir à tous. Mais c'est quoi ce bordel? Je suis mort. Mais c'est quoi ce bordel? Je suis mort. Mais c'est quoi ce bordel? Je suis mort. Qu'est-ce qui se passe? Ah non. Mais c'est quoi ce bordel? Je suis mort. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas possible. C'est quoi ces conneries? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah non. C'est quoi ces conneries? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais c'est pas possible. Mais c'est quoi ce bordel? Je suis mort. Qu'est-ce qui se passe? Ah non. Mais c'est quoi ce bordel? Je suis mort. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas possible. C'est quoi ces conneries? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah non! C'est quoi ces conneries? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais c'est pas possible! Non! Je veux redéfinir les touches! Ah non! Non! Putain! Mais c'est pas possible! Non! C'est quoi ces conneries? Ah non! Non! Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais c'est pas possible! Tout le monde est là! Moi je suis une brêle. Ah non! On sent un golem 13! Golem 13! Comédor est là! Le saucisson est bon! Eric Boula est là! Qu'est-ce qui se passe? Bon, Soloton a pété avec la zik. Je suis mort! Special evening! Moi je suis une brêle! Y'a Moumoun, y'a Moumoun! Ah non! Que du beau monde ce soir! Comédor est là! MacGyver est là! Pas parler en anglais, je suis vraiment très très nul. Special evening. Ah non. Gay Pride et voilà, My Taylor is rich. Putain. Non. Je veux redéfinir les touches. Oh non. Non. Putain. Ah mais c'est pas possible. Non. C'est quoi ces conneries? Ah non. La santé, l'argent, money, Donald Trump. Stop, arrête-toi. Vite. Poney du Bordeaux. Magnifique! Ah non! Ah non! 39 GX! On est beaucoup trop. Bah, c'est marqué que 35. Hein. Ah là là! Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son, ça va? J'ai l'impression de vous exploser la gueule. Oh là là, tout le monde est là! C'est bien, il y a du monde. Le son est nickel, le son est fort! Ouais, bah je sais pas, si c'est fort, c'est bien, si c'est nickel, c'est bien. Un peu fort. Ah putain, on a fait des réglages hier, les gars. C'est beaucoup trop fort. Mais putain, ça allait hier. Qu'est-ce qui s'est passé, alors, entre hier et aujourd'hui? Le bonnet est bon. Bah je baisse, alors. Ah là là, c'est quel malheur. Attendez, je baisse pas là, alors. Si c'est trop fort. Mais putain, hier, c'était bon, j'ai rien changé depuis hier, moi. Ça allait pas hier. Bougez pas. Est-ce que là, c'est mieux, là? Est-ce que là, c'est mieux? Moins fort. Gros pouce. Moins fort. Plus fort. Moins fort. Oui, je sature. J'ai vu que... Alors, attends. J'ai vu que je saturais. Alors, je sature. Mais c'est normal. C'est parce que vous m'aimez bien, en fait. C'est pour ça. La lina. La 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 la. Est-ce que je sature ou pas encore? Oh là là. Oh là là. Je le savais. En fait, vous savez quoi? Je le savais. C'est l'effet rétro. Mais ouais, mais voilà, mais vous avez tout compris. C'est l'effet rétro. Le vu mettre dans le rouge. Ouais, c'est vrai que j'étais un peu dans le rouge. Hein. Putain, j'étais un peu jaune-rouge, tu vois, un peu jaune pâle comme ça. Oh, ça, oh vous êtes mignons. Vous avez vu, on a fait des progrès hein, avec les copains hier. Hein. On a fait des petits réglages et tout, c'est beau, c'est propre. J'ai mis un fond, vous avez vu, c'est propre. Hein. Waouh, la vache, le daron, c'est trop bien.
Là, c'est bon. Merci. Bon. Il y a trop de monde. Bonsoir à qui, là? Mais vous avez... Putain, mais même avant que ça commence, ça n'arrêtait pas. Mais... Bonsoir Coco, évidemment, modérateur d'un soir et modérateur de tous mes soirs, évidemment. El Director, bien sûr, bienvenue à toi. Et tu es la personne ce soir importante. Sophie du 43, bienvenue, évidemment, des bisous. Barjac est là aussi. Ouah, LTF Mike. Eddie Cito, bonsoir. The Alchemy 76, Denis est là. Bonsoir Guillaume from Bordeaux. Aussi Jean-Mi 117, le fidèle parmi les fidèles. Moumoun est là. Rollbass 86, bienvenue à toi. Alors LTF Mike, je l'ai déjà dit, 150GX, faut pas déconner. Alors on a Shoryu évidemment qui est là, Shoryu aussi, notre deuxième admin d'un soir, admin, que dis-je, Modo, modérateur d'un soir, oh là là, Nagemnet est là évidemment, bonsoir, oh là là, Goldom 50, que du beau monde, Gros Pouce est là, oui bien sûr. Alors parlez si vous voulez que je dise votre pseudo, ah c'est super important. Rick Yordi, bah bienvenue à toi, bienvenue sur ce stream magnifique. J'ai loupé Retro Redrum, Jérémy est là, voilà, magnifique. De l'autre côté de l'Atlantique, oh là là, quel plaisir, c'est international. Solorenzero qui me dit que je suis beaucoup trop fort, merci, des bisous, oh là là. Je sature, oui. Maître Jo GGP, salut à toi. Oh là là, mais que du beau monde ce soir. Je suis Orif001, bienvenue. Aïe, aïe, aïe. Mais il n'y a jamais eu tant de monde. Mais qu'est-ce que vous êtes 42GX. Ça va pas aller, les gars. Je vais faire cacamou, quoi. Ça va pas, là, putain. Là, 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 là. Oh là là, attendez, j'ai pas fini. J'ai un JB Paldaron. Ah, ça y est, on commence à me prendre mes pseudos, ça y est. On me troll, c'est le succès, on m'arrête, évidemment. JB Paldaron, Jack GGP, et là, bonsoir à toi. Oh là là, là, magnifique. Le saucisson est bon. Le son, ça va, hein. Dites, hein, ça va pas. Parce que, bon, hein, on va quand même pas tout recommencer et tout. Sylvain Home, bienvenue à toi. Oh là là, mais magnifique, la barre des 40 GX, on est beaucoup trop, il y a trop de monde. J'y peux rien si on partage le même prénom. Ah non, JP. Ah non, JB. Oui, oh là là. Ça y est, moi, je vois plus les lettres. À force de faire les lettres avec mon gamin, ça y est, je vois plus les lettres. Ah d'accord, on a le même prénom. Oh là là là. Musicien, MacGyver est là. Bonsoir. Ah là là. Du monde, même en déconfinement. Bah, c'est, hey, mais c'est ça, c'est beau. C'est beau. C'est la force... du rétro, c'est la force de l'Amstrad CPC. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Planeur est là aussi. Oh là là, mais bonsoir, Xiphos. Il y a plus de place, là. Trouvez une chaise, là. Prends des chaises pliantes, tu sais, les chaises de chez Jiffy, là, tu sais, que tu mets, tu t'assois une fois dessus, puis tu la pètes en deux. Prends un petit tabouret, là. Tu trouveras bien une place. Tu prends une bière, c'est pour moi. J'ai même pas pris de bière, d'ailleurs, ça se fête, hein. Je crois que ce soir, j'ai plein de choses à vous dire. Ce soir, Jean Bernardo... J'ai plein de trucs à vous dire, mais il y a évidemment une seule raison, et une raison principale, ce pourquoi nous sommes tous ici réunis, présents, et on dirait un sermon de prêtre. Tronic GPA, salut à toi. Gotti 72, bienvenue. Oh là là, mais pff, c'est génial, c'est génial. Évidemment, ce soir, c'est la soirée de El Director qui est sur le chat, qui est ni plus ni moins qu'Eric Boula, l'auteur, un des auteurs du jeu qu'on va présenter ce soir, qui est l'île au trésor. Merci Sophie pour le host. Merci Coco aussi, j'ai vu qu'il y avait un petit host sympa. Merci. Et puis Denis aussi, ça fait plaisir. Ah, vous êtes des amours. On est là donc pour... un nouveau jeu sur Amstrad CPC. Et oui, en 2020, il y a encore des jeux qui sortent, mais vous n'êtes même pas au bout de vos surprises. Vous savez même pas ce qui vous attend cette année et l'année d'après. Pouah, pouah. J'en sais des trucs, hein. Mais je vous dirai rien. Rien du tout. Mais putain, ce qui va sortir. Alors là, mais... mais vous pouvez pas tester. Vous avez rien vu. Salut à toi, TookBZH. Je suppose que tu es breton. Eh bien, bienvenue à toi. Assieds-toi. Ah là là, ça fait plaisir de voir des nouvelles têtes et tout. Donc, effectivement, ce soir, c'est la soirée de l'île au trésor. C'est la soirée d'Eric Boula. On va découvrir ensemble
un nouveau jeu d'aventure sur Amstrad CPC. Et oui, vous avez bien entendu. Philippe Dubois vous salue tous, m'écrit-il. Des bisous évidemment à notre président de cœur, 46GX. Alors qu'est-ce qui se passe à 50GX? Je sais pas. Alors pourquoi GX? Il y a qui vont se dire, oui, 48GX. Attention, on est presque à 50. On est pas mal, on est pas mal. Pourquoi GX? Parce que bah, c'est mon compteur de viewers, en fait. C'est GX, c'est une petite boutade. Je vais pas la raconter à chaque fois. C'est un jour, c'est un mec, un jour, qui... Voilà, ça le gonflait que à chaque fois, je dise « Ah, j'ai 10 viewers! Ah, j'ai 12 viewers !» Et puis, en fait, ça, voilà, ça le gonflait. Puis, voilà. En fait, c'est un petit clin d'œil. C'est lui, il s'appelait GX. On le salue, d'ailleurs, là où il est. 48, vive la Lozère. Bah écoute, oui, vive la Lozère. Salut à toi, Ritzy. Ah, magnifique. Le saucisson est bon. Alors, quoi vous dire, quoi vous dire? Écoutez, on va jouer effectivement au jeu d'Eric Boula, L'île au trésor. On va le découvrir, on va faire une petite présentation. Eric est donc là pour répondre à vos questions, bien sûr. Tant qu'il y a du monde, alors... Ah, oh, merci Jérémy pour le host. Oh là là, ça fait plaisir. Ah là là, c'est génial. Et RGCA, évidemment, par la même occasion. Le pâté est bon aussi, oui, bien sûr. Il va... Eric, donc, va vous mettre à disposition le jeu gratuitement. Ce soir, vous pourrez le télécharger et l'essayer chez vous avec un émulateur. À 48GX, ça devient le bol... quoi, le bordel d'âge. Oui, c'est ça, ça va être un gros bordel. Là. Oh, Dilou est là, des bisous, Dilou. J'ai pas fait la bisou fille après. On va faire la bisou fille après. Golem 13 est là. Waouh, magnifique. Salutations à Great Xerox. Voilà, bah c'est lui. Voilà, Great Xerox. Great Xerox. Je trouve ça excellent quand vous voyez des sortes. Oui, bah, et vous, franchement, vous êtes pas au bout de vos surprises. J'ai pas compris la référence. Mais c'est pas grave, on s'en fout. En fait, c'est un mec qui me trollait par rapport aux viewers. Ça le gonflait qu'à chaque fois, il me disait « Mais putain, joue !» Au lieu de dire que t'as des viewers, joue! Et en fait, mais il a pas compris qu'en fait, le daron... En fait, on parle avant de jouer. Oula. J'ai mon stream qui va peut-être péter. Hein. C'est pas grave. Le daron, ça parle pendant une demi-heure et on joue une demi-heure. C'est comme ça que ça marche. Et encore une demi-heure, je suis gentil. Quand je parle pas pendant une heure. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. On parle beaucoup, on discute tous ensemble. 53, mais non, on n'est pas 53. Il se passe quoi? Bah, il se passe que c'est un nouveau jeu. Tais-toi et joue, merci Coco pour les bits. Ah, les alertes de merde. Oui, ça, promis, il faut que je les change. Promis, je changerai ça. Voilà, ça c'est un... Voilà. Et j'ai déjà fait la chatbox, elle est là. C'est comme à la météo, en fait, comme sur TF1. Voilà, regardez. La chatbox est là, j'ai mis les events en bas, j'ai mis le compteur de GX. Et vous pouvez pas tout avoir non plus, quoi. Le daron à poil, mais on n'est pas 53, moi je vois 48, 53, la vache. Micromania 50, salut à tous et vive le micro B8, mais oui, 50 GX, ça y est, je peux streamer à poil. D'ailleurs, c'est là qu'on voit que mon truc, il est pourri, parce que tu vois, GX, je l'ai rajouté, c'est dégueulasse. Micromania, c'est donc les magasins qui nous suivent. Oh là là, magnifique. C'est une soirée sponsor, Micromania. Le seul magasin où tu achètes les jeux, il n'y a pas les jeux dans les boîtes. Et après, on donne le jeu à la caisse. C'est dégueulasse. Alors, putain, on est 5. Mon compteur est bloqué, oui, c'est ça, ouais. Alors, j'ai des trucs à vous annoncer. Alors, on est tellement nombreux que je vais aller très vite parce qu'on va se concentrer surtout sur le jeu d'Eric Boula, mais je peux pas m'empêcher de parler. Alors, je voulais déjà... très sincèrement, remercier tous ceux qui regardent les lives du Daron. Je suis un tout petit streamer. Je stream une fois par semaine et encore pendant 2 heures, c'est tout. Enfin, c'est que dalle. Je viens de passer la barre des 250 followers. Je suis à 251 followers, enfin un peu plus même pour Twitch. Enfin, c'est franchement merci. C'est dingue quoi. C'est fou, c'est fou. Et puis là, même, on est 50. C'est impressionnant, c'est dingue, c'est dingue. Franchement, pour voir le peu que je stream, et franchement, merci. Merci à vous. Sans vous, évidemment, sans vous, je ne suis rien. C'est ça qui est dingue. Ça lag, on veut la fibre. Ouais, alors, ça risque de laguer. Je suis désolé. Salut, ma petite 89. Salut, bienvenue à toi. Prends place, ça fait plaisir. Je suis désolé si ça risque de ramer. Mais vous inquiétez pas,
la fibre arrive la semaine prochaine. Ah, oh, enfin. Voilà, ça, c'est une grosse news. Hein. Je profite qu'on est beaucoup. Ça va être bien. Alors, je vais pas streamer plus, non. Mais, putain, de l'Amstrad en 4K, putain, mais c'est génial. C'est génial. J'avais dit à Roberto de pas en parler. Oui, c'est ça, Mike. À chaque fois, je fais cette espèce d'analogie. C'est que je me dis, putain, tu te rends compte? C'est comme s'il y avait 50 personnes, en fait, devant moi. Mais je préfère que vous soyez derrière vos écrans, à la con, là, en train de taper des conneries. Moi, ça me va, tu vois, je fais pas cacamou. Quoique, avant de streamer, très sincèrement, je me suis dit, bon, c'est la soirée d'Eric, il faut pas, tu te loupes. Hey, cacamou, on n'est pas loin, hein, franchement, des conneries, prout, bah oui, voilà. Un pixel qui crève l'écran, ça sera du 4K, je vous le promets. Franchement, ça va être un truc de dingue, hein. Quoi, c'est entre une salle de classe et un petit amphi. Non mais t'imagines, c'est dingue. Non mais c'est impressionnant, tu vois. Je fais ça depuis 5 ans, tu vois. Alors, c'est très irrégulier, c'est-à-dire que je stream une fois par semaine et puis des fois pendant 6 mois, je vais pas streamer. Et puis je reviens et puis... voilà, tu vois, tu... Ça, mais ça me fait plaisir, je reviens toujours à ça. Mais putain, je fais de l'Amstrad, quoi. Je fais pas du Valorant de merde, je fais pas de l'Animal Crossing, je fais pas du... c'est quoi, Fortnite, là? Non, on reste Amstrad CPC. Alors, je fais un peu de rétro PC des fois, un peu de C64, et puis je ferai peut-être de l'Amiga un jour. Mais c'est pas grave, on reste sur de l'Amstrad. C'est ce qui nous réunit, tu vois, un petit Amstrad CPC, ça fait plaisir. Salut à toi, ST. Oh là là, que du beau monde. Surtout qu'ils sont tous en pyjama, mes viewers, ouais. Bah oui, c'est ça, hein. Non, on va s'imaginer quoi, les viewers en nuisette, oh là là. Eh ben, des bisous aux filles, alors c'est le rituel, les bisous aux filles. Alors, des bisous, évidemment, à Sophie, hein, qui est là présente, à Dilou, évidemment. Merci, Mike, pour le host. On fait des bisous à Marie, des bisous à Marie, des bisous à Hélène, évidemment, des bisous à Elena, des bisous à Pauline, aussi, hein, même si Amaury, il est pas là, hein, espèce de connard. Il y a aussi des bisous, c'est une boutade, hein. ne coupez pas ce passage pour lui balancer, hein. Je compte sur vous. Hein. Des bisous évidemment à une autre Pauline, et des bisous aussi, il y a un projet Pauline de notre Jean-François Del Nero National. Oh oh, j'ai vu ça passer sur Ebo5, ça fait plaisir. Merci ma petite pour la suivance, merci beaucoup. Il y a des bisous évidemment à Vanessa, des bisous à Nadège, des bisous à Pamela, des bisous à Elena, je sais pas, j'ai peut-être dit, des bisous à Juliette, des bisous, j'ai oublié des gens, des bisous à Delphine, on m'a dit un jour Delphine, bah je dis Delphine, voilà, des bisous, oh là là, j'espère que j'ai oublié personne, Roberto, je crois que j'ai dit Roberto aussi, oui, normalement c'est bon. Les bisous aux petits mecs, évidemment. Les bisous aux petites Juju, évidemment. On a deux petites filles, voilà. Les filles, femmes, fans du daron, évidemment. Les petites Juju, petite Justine et petite Julie. Voilà, on leur fait de gros bisous. J'espère que j'ai oublié personne. Vanessa. J'ai dit Vanessa, merde. Non, Ghislaine, non. Rachida, non. Ça me dit rien. Merci pour la suivance. Bah oui, valide, Moon, bien sûr. Bon, alors, les petits amis. On est beaucoup trop nombreux, ça va pas. Ce soir, c'est la soirée, évidemment, de Georgie. C'est dans ça le clown. Et des bisous un peu, mais j'ai dit Pauline. Hein. Ah oui, alors, Pauline, ça me fait penser au projet là, de Jeff. Hein, le fait qu'on va pouvoir préserver des disquettes du format 3 pouces jusqu'au format 8 pouces avec une espèce de petit truc. Alors, Jeff, Jean-François Del Nero, c'est le papa de ça. C'est le papa du HXC, voilà, le lecteur de disquettes virtuel, qui remplace évidemment nos vieux lecteurs 3 pouces, vraiment vieillissants, voilà, une carte SD, voilà, dans le cul comme ça, hop, et ça marche, nickel. Et donc, il a conçu une espèce de petite machine qui va permettre de sauvegarder les disquettes, évidemment, mais les sauvegarder, nickel, c'est-à-dire avec les protections et tout, ça va être un... truc, et ce sera totalement libre. C'est ça aussi qui est bien, c'est que on pouvait le faire déjà à l'heure actuelle, mais c'était des trucs, il y avait des licences, c'est pas tout le monde qui pouvait le faire, Denis le faisait, DLFR Silver, s'il passe, d'ailleurs on lui fait des bisous, mais là, on va avoir un truc gratuit. Alors je sais pas combien ça coûte, c'est en cours, je sais pas si c'est presque développé ou quoi, mais en tout cas c'est beau. Et c'est libre surtout, voilà. Ah, il est au taquet, hein, il est au taquet, le Jeff. Mieux que le cryoflux, ouais. Allez, bon. On est bien. Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous êtes installé? Vive le libre, bien sûr. Un clonage de disquettes. Ouais.
est du format 3 pouces jusqu'au format 8 pouces. Hein, les espèces de grosses galettes noires, là. La communauté CPC est tellement incroyable. Oui. Oui. La communauté CPC est JB Paldaron. Tu as raison de dire ça. Parce que avant de lancer le jeu, c'est très bien que tu en parles. La communauté CPC, peu importe le groupe, peu importe les tendances politiques, peu on s'en branle. On est une putain de micro-communauté. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Ne nous bouffons plus le nez pour des conneries. Soyons bien. Tous ensemble. Très sincèrement. On est presque 2000 sur le groupe Amstrad.eu sur Facebook. Oui, il y a un groupe Amstrad.eu sur Facebook. Mais il y a d'autres groupes Amstrad sur Facebook. Et tant mieux, c'est bien. Il faut que ça soit varié. Mais 2000, mais non, en fait, il y en a... On est combien? On est une centaine? Allez, une centaine. Même à mon avis, je suis peut-être un peu gourmand. On est une centaine. On est une centaine actif, tu vois, pour utiliser un terme. Voilà, actif. Putain... On est bien, quoi. Putain, c'est une machine nickel. Franchement, tu vois... Bon, des fois, le C64, il y a des trucs bien. Mais voilà, quoi. Putain, on est bien. Voilà, soyons désinvoltes, n'ayons l'air de rien. Oui, bien sûr, mais... Pff, des bisous, quoi. Des bisous, merde. Alors, je peux comprendre que des fois, on peut pas se sentir. Tu vois, je peux comprendre. Très bien. Bon, il y a des gens que je peux pas sentir. Oui, bien sûr. D'ailleurs, je l'ai même mis en compteur. Mais... C'est pas grave, putain, c'est la vie, quoi, tu vois, et puis on s'en fout, on joue, et puis on fait, ou on code, ou on fait des graphes, ou on fait de la musique, on s'en fout. Voilà, c'était mon petit message pour la soirée d'Eric. C'est une soirée qui rassemble, et bien sûr, évidemment, le jeu d'Eric est gratuit aussi. Putain, c'est bien, quoi. Mais ça n'empêche pas de donner de l'argent quand même, c'est cool. Non, c'est cool, qu'est-ce que ça, vive l'Atari ST. Ah, bah ça, c'est aussi Ziski, il aime bien l'Atari ST. Donc, je tenais aussi à préciser une chose. On va jouer à un jeu d'aventure. Il faut tout pour faire un monde, mais oui, Arnold et Willy, bien sûr. On va jouer à un jeu d'aventure. Ok. Il n'y aura, dans la première partie, parce que ça sera composé, mon cher Coco, en deux parties, ce stream, il y aura dans la première partie la présentation du jeu. Et pas de spoil, je peux comprendre que, oui, c'est un jeu d'aventure, moi j'ai envie de le faire tout seul, j'ai envie d'y jouer, moi, merde. Tu vas me montrer encore tout ce qu'il faut faire, là, tu fais chier. Non, calmez-vous, calmez-vous. Vous inquiétez pas. Le jeu sera disponible, on présente le jeu, on y joue. Voilà, on joue, je vous montre, on va se balader un peu sur l'île. Mais non, je m'énerve pas. J'ai 12-8 de tension, très bien. On va se balader sur l'île. Mais c'est des trucs que vous pouvez faire, ça aussi, vous balader. Je vais rien, tu vois, je spoil rien du tout. On se balade. Et puis, bah après, vous... Comment ? Après, on va dire, plus tard dans la soirée, très tard, et bah je vous dirai, attention, spoil ! Si vous voulez partir, allez-y, c'est maintenant. Donc là, du coup, le compteur va, du coup, dégringoler. Et bah pour ceux qui veulent rester, bon, on va avancer, mais un tout petit peu. C'est tout. On va pas faire... Je vais pas aller très loin, tu vois. Je comprends, tu vois. On va rien spoiler. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Sous 182, yo à toi. Salut à toi. Bienvenue. Prends place. Prends place. Bienvenue dans ce monde des CPCistes qui s'aiment et des Amstradistes qui font plaisir. 58GX, tu déconnes. Non. Ben et Nuts, salut à toi. Ben Hultnuts, bien sûr. Alors. La petite musique va bientôt s'arrêter. Vous savez que je n'aime pas arrêter la musique en cours. Et on va lancer l'île au trésor. L'île au trésor, c'est un jeu donc d'Eric Boula, ici présent. Oh, Barjac, t'es sympa! Oh, ça fait plaisir. Merci pour les bits, mon Barjac. Ça fait plaisir. T'as vu, t'as une petite icône maintenant. T'es un petit truc de gauntlet. T'as vu? Les espèces d'ogres, là. Ah bah oui, parce que bah, vous donnez des bits, hein, vous avez des petites icônes sympas, c'est normal. Il est dispo sur le store, alors l'île au trésor est dispo évidemment sur... Bah, je vais encore parler, pourquoi je coupe la musique. Il est dispo sur Steam, il est dispo sur le Play Store, ouais, sur le Google App Store, le Google Store,
Le daron aime toujours un bon... Oh non, ça je vais pas le lire, voilà. Voilà. Parce que tu vois, j'ai failli me faire bannir à cause de Coco. Oh, c'est pas vrai. Alors, qu'est-ce que je voulais... Alors, je voulais vous dire en plus un truc super important. Oh là là, le Windows Store, voilà, merci. Donc, Eric est donc là pour répondre à vos questions, si vous avez des questions. C'est une histoire un peu spéciale, ce jeu, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore. Alors, Eric, tu es là pour me dire si je dis des conneries ou pas. Donc, Eric Boula, ici présent, donc sous le pseudo de El Director, est le programmeur, en fait, de ce jeu. Il a été accompagné, si je dis pas de conneries, de deux autres personnes. Alors, je vais prendre mes petites fiches, hein, parce que vous savez, j'ai mes petites fiches, mes feuilles à gros carreaux. Prenez vos feuilles à gros carreaux. Alors, si tu as évidemment les noms, parce que moi, je les connais pas par cœur, l'île au trésor. Et le Daron Store, tu dis des conneries, merci Moon, je sais que je peux compter sur toi. Alors voilà, scénario et graphisme, c'est, il y avait donc Bruno Louche et Benjamin Gilles. Voilà, Bruno et Benjamin. Salut Gurney, salut Wand Gurney, salut à toi. Alors, ce qui fait que ce jeu est spécial, c'est que ce jeu en fait a été commencé il y a assez longtemps, donc je ne sais plus exactement, tu nous le diras, tu nous le préciseras Eric dans le, sur le chat. Et il a été arrêté, il a été stoppé. Et en fait, récemment, il y a quelques années de cela, malheureusement, Bruno Louche est décédé. Il y a, en 2017, il me semble, il y a 2-3 ans. Et stoppé en 94. D'accord, Eric. Et donc, c'est en hommage, en fait, que Eric a décidé de terminer le jeu. Donc, ce qui a fait, très sincèrement... Enfin, pour moi, ça fait quelque chose. Moi, j'ai... Voilà. Je suis sensible, bah voilà. Oui, je suis sensible, et bah je vous emmerde. Oui, voilà. Ça m'a fait quelque chose, et... Du coup, c'est... Voilà, ça m'a touché, et je lui ai dit, bah écoute... Tu t'es remis à faire de la programmation longtemps après. Alors, t'en fais ton métier, mais sur CPC. Moi, du coup, vu que j'avais... Vu qu'en ce moment, je bidouille un petit peu Arco Striker. Alors, c'est mes débuts Arco Striker. Qu'est-ce que c'est Arco Striker? Ça permet de faire des musiques, pour vous simplifier. Des musiques pour des... Pour de l'Amstrad CPC en fait, en se servant du chip sonore de l'Amstrad CPC, voilà, on fait des petites musiques. Et ben je lui dis, écoute, mes premières leçons, mes premiers jets, si tu veux, bah, je veux bien contribuer à ce jeu. Alors je veux bien t'écrire par exemple une petite musique d'intro. Et puis bah Eric, il m'avait, enfin, je sais plus comment on avait dit Eric, mais t'avais dit ouais, peut-être que une petite musique de fin. Alors la musique de fin, par contre, je l'ai pas finie. Alors le temps qu'on finisse le jeu, bon bah vous inquiétez pas, hein, elle sera finie la musique de fin. Mais en tout cas, bah j'ai participé, j'ai mis ma petite pierre là-dessus, j'ai fait la petite musique d'intro. C'est pour ta première musique sur CPC. Ah merci mon Barjac, merci. Bah voilà, alors attention, soyez indulgents, hein, c'est voilà, c'est mes premiers pas dans Arco Striker et dans la musique. Ah oui, 52GX, ça fait plaisir. Voilà, donc. Par contre, donc, comme je vous disais, le jeu apparemment est assez dur, donc on a le temps de voir venir, je pense. Hein. Le daron, il a mis sa petite graine dans Eric. J'ai mis ma petite brique, je préfère ma petite grique, ma petite brique, ma petite crique, ma petite brique, voilà. Donc, cette histoire m'ayant touché, voilà, j'ai contribué à ça, et... Moi, qu'est-ce que tu veux que je dise? Que bravo, en tout cas, tu vois, bravo à Eric, en tout cas, d'avoir terminé ce projet et de nous pondre un jeu d'aventure, tu vois, sur Amstrad. C'est cool, c'est plutôt cool. Oh là là, c'est... Oh, super, merci, mon Goldom. Oh là là, merci pour les bits. Mais qu'est-ce que j'ai acheté des câbles avec ça, c'est génial. Oh là là, merci beaucoup, hein. Ça fait plaisir. Ah ben, vous allez me faire chialer ce soir et tout. Faites chier, quoi. Parce que quand j'ai commencé, j'ai vu 250 viewers. Je dis, putain, les dingues, là, on est plus de 50. La vache. Hey, David Lunard, en direct de Harlem. Ouais, alors, on a maintenant, de l'autre côté de l'Atlantique, nous avons Jérémy Retro Redrum et David Lunard. Oh, putain. Lunissard, pardon, Lunard. Ruinard, c'est le champagne. Oh là là, mais ça... Bon. David Lunissard, excuse-moi. Oh là là, des bisous. Je vous conseille d'ailleurs de jouer sur WinAPE plutôt que sur CPC pour pouvoir faire des snapshots, car il n'y a pas de système de sauvegarde. Voilà, ça c'est très intéressant à dire. Le système de snapshot, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des save states. Voilà, c'est, on joue sur un émulateur. WinApp, c'est l'émulateur Amstrad, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et donc, ça nous permet en fait de faire des sauvegardes, tout simplement. Parce que le jeu est assez dur.
Voilà, alors moi je l'ai un peu testé quand même pour savoir où c'est que j'allais. C'est franchement... C'est... Bah, j'ai pas trouvé ça pour le moment dur parce que j'ai fait que le début. Mais j'aime bien, vous savez que j'aime bien les jeux et vous savez que je ne triche pas. Contrairement à ce que certains peuvent penser. Lou Nissar. Quoi qui veut dire le niçois en niçois. Oh là là, putain, en plus, oh là là. Harlem et Nice en même temps, c'est magnifique. Magnifique. Alors, que dire de plus, les petits amis? Allez, on joue. Je pense que Gros Pouce a très bien résumé. Alors, regardez. Il faut que je retrouve ma souris. Elle est où la caméra? Elle est là, la caméra. Alors, hop. On va passer dans le fameux... Ah, la musique va s'arrêter? Non. Ah, si. Ah non, la musique s'arrête pas. Je vous laisse profiter encore de la musique. Vous savez, c'est la musique de la PlayStation 1. Bah, pour ceux qui se demandent. Quand tu pilotes une Raymanta. J'adore cette musique. En fait, j'ai fait que ça au début. Quand j'avais eu la PlayStation, j'ai fait que ça. J'ai joué avec la Raymanta. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Les gens posent des questions. C'est bien, posez vos questions. Allez-y, les amis. En tout cas, merci d'être si nombreux. C'est impressionnant. J'ai jamais streamé avec autant de monde. C'est fabuleux. Merci. En tout cas, merci. Mais merci surtout pour Eric, parce que ça fait plaisir. Allez! Voilà, et la musique s'arrête. J'aime pas arrêter une musique. Alors, les petits amis, pour le moment, évidemment, je vais mettre l'intro, parce qu'il y a ma petite musique. Et après, j'ai trouvé une petite musique d'ambiance, parce qu'il n'y a pas de musique, évidemment, in-game, s'il y a des bruitages, mais il n'y a pas de musique. 54 Paco à poil. Je bande grave pour le jeu. Oh là, c'est génial. .exe. Voilà, c'est un fichier .exe. Vous inquiétez pas, c'est pas un cheval de Troie. Alors, je vais faire un petit catalogue des familles. Ah oui, c'est vrai que j'ai tout. Plop, 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 plop. C'est Run Disc. C'est Run Disc. Vous me dites si le son... Attendez. C'est génial, hein. Vous me dites si le son est bon. Est-ce que le son est bon? Run Disc. C'est open source. Eh oui. L'île au trésor, voulez-vous passer l'intro? Bah non. Ah non. C'est moi quoi où le débit s'effondre? T'es sérieux? T'es sérieux? T'es sérieux? Alors, non, non, moi je suis assez fixe là. C'est vert. C'est vert chez moi. Ah non, non, alors, si le débit s'effondre, ça ne va pas. On va attendre. Le son est bon. Merci. Putain, vivement la fibre. Vivement la fibre. Putain, semaine prochaine, le technicien va venir. On va être obligé de mettre des masques et tout. Ça va être génial. Hein. Allez. Je suis en QWERTY. Ah, alors attends. Il faut peut-être changer quelque chose. Eric, peut-être. Ah, alors là, franchement, là, je vous tiens en haleine. Hein. Ah, j'aime bien. Hein. J'aime bien. Ah, normalement, l'accent n'a pas de souci. Ah oui, effectivement. Putain, j'ai même pas fait gaffe. Et est-ce que ça risque de poser problème pendant le jeu? Non, parce que là, c'est la police de la machine, là. C'est pas important, normalement. Allez, c'est parti. Voulez-vous passer l'intro? Bah non. Je me tais. Thank you.
après sa boucle. Allez. Ah. Oh, c'est passé vite. J'avais pas vu que le truc là passait vite, Eric. Qu'est-ce qui se passe? Il y a trois faces, oui. Il y a trois faces. C'est mes oreilles, c'est parfaitement là où j'ai trouvé. Ah bon? Merci. L'île au trésor. Ah, le CPC au casque. Ah, putain, il n'y a rien de tel. C'est un petit souci technique quand on met l'intro. Ah, ok, d'accord, Eric. Ça marche. Nous patientons. On ne va pas patienter autant qu'un C64, un jour, assure. Alors, j'ai prévu une petite musique de fond. Vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Le port. Des petits sons de vagues. Vous débarquez sur cette île que vous avez quittée il y a fort longtemps. À votre grand étonnement, le village de votre enfance semble désert. Mais que s'est-il passé? Alors là, en fait, nous nous retrouvons directement sous le jeu. Vous avez, évidemment, sur votre gauche, l'écran de jeu avec les lieux, les différents lieux. Sur votre droite, la liste des actions à faire. Donc les directions, aller monter, nanani nanana. Vous avez, quand vous allez tout en bas, une deuxième liste. Voilà, ça évite, quand on a par exemple une saisie syntaxique dans pas mal de jeux, ça évite de chercher les verbes en fait. Là au moins directement, on a la liste et au moins il n'y a pas le temps de niaiser quoi. Rude est là, mais non, t'arrives pile poil, on démarre le jeu, Rude, parfait. J'ai parlé évidemment, j'ai parlé combien de temps? 40 minutes! Oh la folie! J'ai fait des bisous à Marie d'ailleurs, tu vois? Tu lui referas un bisou? Ah oui, vous avez vos masques, faites attention, hein. Mettez votre masque s'il vous plaît. J'ai raté trois easter eggs. Alors, je vais mettre la petite musique. Vous allez me dire si la petite musique, elle est trop forte ou pas. Mais vu qu'on est sur une île où il n'y a personne, et que ça semble désert, il nous fallait une petite ambiance. Alors je vais mettre ça, vous allez me dire si c'est fort ou pas. Faut pas que ce soit trop fort, hein. Faut vraiment que ça soit le fond, quoi. Je peux faire les cigales si vous voulez. C'est vraiment le fond. Hein. Ah, 51GX, ah, bienvenue à tous. Pas mal l'ambiance, merci Eric. On veut t'entendre, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il faut quand même qu'il y ait un fond. Parce que sinon, ça fait un peu trop creux, tu comprends. J'ai même pas pensé à l'interviewer sur Discord. Alors, c'est toujours un peu la merde de Discord. Je préfère en fait que, tu vois, si vous avez des questions, vous les posez directement en fait sur le chat et lui peut y répondre. Parce que sinon, ça veut dire que, en fait, s'il est sur Discord, ça veut dire qu'il faut qu'il lise la question, qu'il y réponde. Du coup, c'est pas que je veux pas que les gens parlent, c'est que du coup, là, j'avais vraiment envie d'être dans le jeu, de présenter le jeu et tout. Sinon, en fait, tu sais, ça, tu te coupes, tu te parles, machin. C'est bien Discord quand c'est carré. Après, c'est un peu la foire à la saucisse, quoi. C'est un peu l'ambiance Alone in the Dark, mais vous me connaissez, moi, Alone in the Dark,
c'est mon jeu, c'est mon jeu, c'est le jeu de la vie. C'est comme SimCity 2000. C'est vrai, Eric pourrait pas... Non mais arrêtez de gueuler, non mais oh, ça suffit là. Oh, les questions de merde. Oh, les questions de merde. Bon, allez. Alors, accompagné du jeu... Les références me font mal au disque dur. Accompagné avec le jeu, il y a un manuel. Alors dans le manuel, évidemment, je vais vous lire quand même quelques trucs, histoire qu'on arrive un petit peu à saisir comment ça fonctionne. Après, il y a, très sincèrement, il n'y a rien de sorcier, hein. Je révise en même temps. Alors, si Eric, tu trouves que des fois je dis des conneries ou quoi, n'hésite pas à me reprendre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut que j'ai le chat sous les yeux. Inutile de regarder le manuel Valls, magnifique. Bravo, Moon! Alors, sûrement que d'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce que tu comptes balancer le lien. Mais donc, comme j'ai annoncé, évidemment, le jeu sera dispo gratuitement. Je sais pas si ce sera pendant, après, juste après le stream ou quoi. Le deuxième écran à 23h45. Qu'est-ce qui se passe? Ah bon? Que se passe-t-il? De quoi vous parlez? Alors, on peut donc naviguer, comme vous voyez, sur la partie de droite avec les actions. Et quand, par exemple, vous voulez, on va dire, on va aller... Alors, c'est barre d'espace. Vous avez un petit curseur qui apparaît sur l'écran de gauche. Vous voyez, vous avez une espèce de cercle rouge qui vous indique vraiment où vous voulez aller. C'est quand même assez, assez précis. C'est-à-dire que là, vous pouvez aller, mais il y a beaucoup de possibilités aller. Par exemple, si je veux aller ici, dans la maison, bah, vous pointez la porte... Et vous allez bah, dans la maison, tout simplement. Et vous êtes dans une maison où il n'y a personne. Alors, je précise quand même une chose. Je reprécise une chose. Il n'y aura pas de spoil. On découvre le jeu comme si vous le découvriez vous, en fait. C'est-à-dire que on se balade comme vous le feriez, en fait. Je fais rien de plus. C'est-à-dire que je vous montre un petit peu les trucs... Vous voyez, on peut examiner, donc, quand vous vous mettez sur examiner avec les flèches haut et bas, évidemment, vous appuyez sur espace. Soit vous pouvez examiner un objet que vous auriez en votre possession, ou alors vous basculez sur l'écran, vous voyez, avec la flèche de gauche, ou alors vous revenez avec la flèche de droite, vous voyez, hop, hop. C'est génial. Et donc, on peut remarquer que l'écran est composé de... 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4. Voilà, on a des lignes. On a 4 lignes et 5 colonnes. Voilà. Alors quand, évidemment, vous pouvez examiner et que ça tombe pile poil sur un objet, c'est que là, peut-être qu'il faut l'examiner. Alors on appuie un tableau. Voilà. Et après, on revient sur le menu avec les actions. Alors, c'est parti, examiner meubles et tout. Alors voilà, comme je disais, je ne vais pas spoiler pour le moment. Ça va vraiment être une découverte, une présentation du jeu. Si vous avez des questions, là, je vois que c'est bien, ça en pose. Alors, du coup, je suis en train de perdre un peu le fil. Il te taquine, c'est-à-dire... Qui c'est qui ? Je ne vais pas tarder. Tu ne vas pas tarder. À faire quoi, du coup ? Adam. Alors, ils sont de Bruno, comme le scénario d'ailleurs. D'accord, ok. Donc, le scénario et les graphes, question de Barjac, les GFX, sont de Bruno. Évidemment, le magnifique sol est tramé. Certaines ombres sont tramées. On voit aussi au niveau de la commode. Les graphismes sont, ouais, les graphismes sont plutôt cool, effectivement. Redresser cadre, oui. Alors ça, c'est quand on est un petit peu, comment on est, maniaque. Le système pour se balader est vraiment cool. Franchement, moi, c'est la première fois que je vois ça. C'est-à-dire que quand tu peux aller d'un côté et de l'autre, je trouve que c'était plutôt sympa. Il travaille avec un CP, d'accord.
Je vous lis en même temps, hein, les petits amis. Alors, bon, du coup, je vais pas, évidemment, vous spoiler. Alors, on peut remarquer, évidemment, dans l'écran qui se trouve à gauche où il y a le lieu, on a la boussole qui se trouve en haut à droite de l'image, qui, donc, permet de vous repérer, en fait, spatialement. Hein, c'est toujours un plaisir pour les concepteurs de jeux d'aventure un peu sadiques de nous faire tourner le nord, comme ça, et puis après, quand tu fais ta carte, tu te retrouves avec des grosses feuilles, avec des gros carreaux, dans tous les sens. Voilà. Merci. C'est des sadiques. Hein. Ça change du mode 1, effectivement. Alors, on a un inventaire limité à 13 objets. Bah, je le découvre en même temps que vous. D'accord, très bien. Ah, tu vas pas tarder à donner le lien. D'accord, je te laisse présenter le jeu encore un peu. D'accord, ok. Mais donc, je ne vais pas faire d'action. Vous voyez, je vais juste me balader. Par exemple, on va continuer à examiner. Par exemple, on a vu qu'il y avait un tableau. Mais là, qu'est-ce qu'il y a? Là, regardez, d'ailleurs, on a même le reflet. Et c'est plutôt sympa. Nous avons un miroir. Mais je ne vais rien faire. C'est-à-dire que là, je fais que examiner et me balader. Donc, on est au nord. Donc, on suppose que pour sortir, bah, c'est le sud. Voilà. D'accord. Et donc, on a le GFX qui se lance en même temps. Le GFX, n'importe quoi. Le son. Oh là là. Oh, je suis perturbé. Oh là là. T'es moins le cadre vert. Ouais, bon, écoute, c'est... C'est les goûts, les couleurs, tu sais. Je reviens, je vais me prendre un petit whisky. Putain, je voudrais prendre une bière, moi. Fais chier. L'interface est sympa. Franchement, c'est plutôt cool. Donc, vous voyez que là, le nord... Il est orienté à gauche. Ça veut dire que si vous voulez aller un peu plus loin, il faudra aller à l'est. Comprenez un petit peu comment ça s'oriente. Voilà. Oui, oh, oui, je suis perturbé, je sais. Vous voilà un carrefour. Pas un magasin, hein, un carrefour. Et si tu refais sud, tu vas dans l'eau. Mais ça, je vous laisserai le découvrir, mon cher Rude. Alors, on va continuer. Moi, je suis un petit curieux. Je vais continuer à l'est, par exemple. Oui, alors, effectivement, si on regarde au sud, on a les pontons. Alors, il se peut... Alors, je vais revenir à l'ouest parce que je vois peut-être de ce que veut dire Rude. C'est-à-dire que... Je vais revenir au début. Par exemple, là, on se rend compte qu'au sud, il y a la flotte et on a les petits pontons. Si on fait sud... Utiliser aller. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a plusieurs pontons. Et quand on fait aller, on peut choisir où aller dans le sud. Sur la petite barque, sur un ponton, sur un machin. Alors moi, je veux pas. Tu vois? Moi, je vais plutôt aller ici. Pas par là. Je vais aller à l'est. Voilà. C'est super précis. C'est super précis. C'est une boussole, voilà, qu'on voit en haut à droite. Voilà, c'est la boussole. Ça permet, tu vois, de te repérer. C'est-à-dire que là, le nord, tu vois, le nord est à droite. À gauche. Putain, je vais y arriver. Donc, il faut bien se repérer. Hein. C'est les trucs de sadique, ça, pour les jeux d'aventure. Hein. Donc, non, une boussole. Elle y est, la boussole. À l'origine, j'avais imaginé une autre ergonomie. Mais lors de la bêta streamée par Tarodius, j'ai vu au retour des spectateurs que c'était pas une bonne ergonomie. Alors oui, effectivement. Oh, Amstrad2U est maintenant fan du daron. Oh, mais t'étais pas déjà fan, mon cher Serge? Pardon, j'avais pas vu. Mais non, mais faut pas s'excuser, on découvre le jeu ensemble. Exact, c'est Esprit l'encore. C'est pas un peu comme ça que là... Alors, peur sur Amityville, j'avais vu quoi, moi? J'avais vu un autre jeu qui était comme ça, où t'avais toutes les actions. Oh là là, pas Maléfice. Il y a un autre jeu comme ça, un autre jeu d'aventure où il y a tout, je sais plus. Où t'as toutes les actions comme ça. Par contre, tu peux pas te balader dans l'écran. Donc, c'est en fait un peu à mi-chemin entre le point and click et le jeu, pas action-aventure. Mais en tout cas, c'est pas du tout un truc à une saisie syntaxique, en tout cas. Bruno, c'est Kukulkan, oui. Ah non!
Oui, il y a toujours Bruno Kukulkan. Bruno Kukulkan, c'est le boss de CPC Power. Là, ici, la personne qui a fait les graphes et le scénario, c'est Bruno Louche. Donc, c'était un ami à Eric Boula. Donc, non, c'est pas du tout Kukulkan, non. Kukulkan. Oui, Kukulkan, oui, bah oui. Comme Ganon, Kukulkan. Il est trop petit, chapeau mexicain. Quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Alors, je vais continuer. Alors, moi, je me suis baladé un peu là, mais je vais aller au nord. On part au nord, comment ça se fait ? C'est là que vivent les contes de fées. Ah ! Un puits. Tiens, tiens, la place. Autrefois, cette place était fréquentée par les gens allant acheter leur pain ou allant à la messe. GX ? Au nord, c'était les corons. Alors, vous voyez, là, on est allé au nord. Et du coup, oui, on se retrouve bien. Hop, on a tourné. On se retrouve bien avec le nord en face de nous. Il y a une église, là, à l'est. Je vais aller dans l'église. J'aime beaucoup l'ambiance. Mais ça, c'est mon truc, ça, l'ambiance. En plus, avec la musique, c'est... Oh, c'est génial. Franchement, tu vois, il me fallait un jeu d'aventure, tu vois. Il y a le jeu, en ce moment, de GRS12, ça, le jeu des boulettes. Non, il me fallait un petit jeu bien, comme ça, tu vois. Quoi, Mémé est folle de la messe. Utiliser aller. Donc, vous voyez, là, si on veut aller à l'est, il se trouve qu'il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que je pense que tu peux aller dans le petit chemin qui est devant nous, où on peut aller prier. Le daron aime multiplier les aventures. L'ambiance, c'est le nerf de la guerre, c'est clair. Oh ! Enfant, vous n'y avez jamais mis les pieds. Aucun souvenir, donc. Ah, famille de mécréants. C'est entre Resident PSA et Silent Hill. Ah ouais, mais c'est génial. C'est génial. Et merci Guillaume From Bordeaux pour la petite remarque que tu m'as faite, le logo qui bouge et qui du coup faisait merder. Du coup, je l'ai viré. Mais t'as bien fait de me dire. J'espère qu'avec la fibre, putain, il n'y aura plus tous ces soucis. 30 ans après, les gens overscan, c'est possible ou pas? Ah, mais bien sûr. Mais plus que jamais d'ailleurs, Toug. Plus que jamais. Plus que jamais. D'ailleurs, l'écran titre est en overscan. Famille de Macréon. Ça aurait été aussi si j'avais pas codé en basique. Ça compresse mieux avec une image mobile. Effectivement. Oui, mais ça bouffe plus de RAM, effectivement. Et je vais te dire effectivement tout le temps, en fait. Alors, putain. Alors, en fait, vous me faites chier, vous allez tous vous barrer. Moi, j'ai envie d'y jouer, en fait. Moi, parce que là, du coup, je joue pas, je fais que visiter, ça m'énerve. D'ailleurs, vous remarquerez le petit détail. Moi, les détails. Moi, c'est le détail. La boussole a changé de couleur. Tu vois ? La boussole, elle a changé de couleur. Et surtout que, tu vois, on est rentré comme ça. Et du coup, le nord est bien orienté. Tu vois ? Le nord, il me l'a foutu à gauche. Le détail qui tue, tu vois, le souci du détail, le jeu de jambes. Nickel, tu vois. Ça, c'est propre. Ah non, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, hein. Mais j'ai envie de défoncer le jeu, là. Tu vois, là, je suis en train... On avancera un petit peu. Je vous annoncerai... Comme promis, je suis pas comme ça, tu vois. Quand je vais vouloir jouer, quand ça sera trop fort pour moi, je vous dirai, attention, spoiler, si vous voulez vous barrer, barrez-vous. Soulève tombeau. Oui, soulevez tombeau. Oui, à soulever, évidemment. Non, mais je vais... Est-ce que je peux continuer à aller... à l'est, par exemple. Ah, je peux pas, d'accord. Donc là, je suis vraiment dans le truc. Donc en fait, on est dans la nef, on regarde le cœur et tout. Est-ce qu'on peut aller dans les absides, par exemple? C'est-à-dire que si je suis là, je vais aller au nord, par exemple. Ah, je peux pas, ok. Alors, est-ce que du coup, je peux faire aller? Oui, et je veux aller, par exemple, ici? Pas par là, d'accord. Donc, l'église, si je vais aller dans le cœur et si je vais aller vers l'autel.
Non. Alors, je peux peut-être examiner l'hôtel. Non, prendre. Non, non, il n'y a rien de particulier. Ah, je sais plus, Eric, comment tu veux... Comment tu annules une action? C'est marqué dans la notice, mais j'ai pas envie de... Alors, vous voulez le lien? Ouais! Allez, tous, là! Vous voulez le lien? Ouais! Balance le lien! Fais entrer. Ah, d'accord, entrer. Ok, merci, Eric. Embrasser grenouille. Les grenouilles de bénitier, évidemment. Ah, donc le lien y est. Donc, en plus, vous voyez le lien que Eric donc, a mis sur le chat. Vous avez donc accès à son blog qui raconte, et tu me corriges si je dis des conneries, Eric, ça raconte un peu l'aventure de ce jeu. La création du jeu. Tu vois, vous avez un blog, il y a des articles, allez-y. C'est cpcforever.canalblog.com. Allez-y, faites-vous plaisir. Vous trouvez un calice. Évidemment, l'hôtel, le calice. Évidemment. C'est exactement ça. Donc allez-y, c'est passionnant. Ça raconte vraiment les coulisses. Voilà. Le background du jeu. Goûte le vin de messe. Ouais, mais non, mais je vais pas commencer à jouer là, parce que... Non, 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 faut pas... Alors, par contre, moi, j'aimerais bien aller... Tu vois, là, je peux ou pas? Alors, je peux pas aller par là, d'accord. Donc, je peux aller... Au fond... Il y a des crucifix... Là, je peux pas y aller. Bon, bah, ok. Donc, si... Par exemple... Donc, je peux pas aller à l'est, donc je pense que... ouest, je sors... Et sud, je suppose que je peux pas y aller, d'accord. Donc, on va aller ouest. Ah non, 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 arrête, pinard de merde. Laisse tomber, attends, je passe un moment à l'alchimie, putain, avec vous tous. Ils me font boire de la merde et puis du coup, j'ai mal au crâne et tout. Arrête. Oh, c'était pas de la merde, je m'excuse pour la merde. Mais je supporte pas le pinard, moi, ça me fout un mal de crâne. La bière tant que tu veux, mais alors non, non, pas le pinard, t'es fou. Ah, une question intéressante de notre ami Shoryu. Est-ce qu'il y a du soft lock possible? Eh oui! Eric nous avoue ce soir que oui, il y a un soft lock. Donc faites super gaffe. Faites super gaffe. Et heureusement qu'Eric nous le dit. Moi, il me l'a dit. Il m'a dit attention! Il y a un soft lock. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un soft lock, c'est... tu peux être bloqué. Si tu ne fais pas la bonne action au bon moment... Il va falloir tout recommencer. Mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. C'est les jeux, ils sont durs. Les jeux, ils sont bien. C'est de l'excrément comme ton son JB. Quoi? Mais non. J'aurais préféré du soft porn. Magnifique. Ah, quoi que c'est sympa. Un petit soft porn. Écoute, allez, allez, allez. Si je dois repasser, c'est de ta faute. Alors, il y a aussi un truc que je voulais évidemment annoncer. Que je voulais dire simplement. Je ne ferai pas de stream des streams entiers sur le jeu, par exemple. Ce que j'avais envie de faire, et vous allez dire si ça vous intéresse ou pas, je voulais faire, par exemple, donc mes streams à la con, c'est-à-dire faire le con, machin, voilà, faire le con, et puis faire des espèces de petits points, en fait, en disant, bah voilà, une partie où je dirais, attention, je vais vous montrer ce que j'ai fait en off, sur l'île au trésor. De toute façon, je pourrais pas me retenir, hein. Je pourrais pas attendre une fois par semaine y jouer, c'est pas possible. J'y jouerai forcément en off. Et je voulais faire des petits points, style, bah voilà, je suis arrivé là, et vous, où c'est que vous en êtes? Mais bon, je peux comprendre que c'est un peu chiant, parce que t'as peut-être pas envie, tu vois. Ou alors, on en parlera, si vous voulez. Je montrerai pas, et ça va être compliqué, en fait, d'en parler sans qu'on se spoil aussi, tu vois. Je suis en train de penser tout haut, en fait. Bruno, il voulait que son jeu soit très, 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 très dur. Ben, il avait raison. Il avait raison. Et on va lui rendre hommage, en plus, en chiant un maximum. Il n'y a pas de solution. Donc, on se fait chier. C'est ça qui est bien. Alors, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Ah, le dernier Ledger Suite Larry est bon. Ah oui, putain. Faut que je me refasse tous les premiers, moi. Uniquement s'il y a deux streams par semaine. On fait quotidiennement pour jouer au jeu. Eh putain, déconnez pas, le boulot a repris, moi. Donc, du coup, je commence à être un peu... Et, alors, petit aparté, vous savez que
J'avais une pression de dingue, hein, ça vous le savez, hein, pour streamer. Et il y a eu quand même des signes avant-coureurs. J'ai ma livebox qui a merdé une heure avant le live. J'avais aucun débit, rien du tout. C'était mort de chez mort. J'ai réussi à rétablir le truc. Je descends, parce que moi, ma pièce, elle est au rez-de-chaussée. Je suis obligé de passer par le garage, en fait, pour arriver ici. Et il y a ma chaudière. Ma chaudière avait pris la flotte, parce que j'ai une fuite sur mon toit. Et j'ai eu un problème de chaudière. Il a fallu que je réarme le brûleur, que j'ouvre le truc, que je nettoie. Et ça, une demi-heure, ou 20 minutes, avant le début du stream. Je me suis dit, non, cacamou, là, c'est pas possible. Je vais jamais arriver à streamer le truc. Il n'y avait que ça, quoi. T'as qu'à pirater la 5G avec un décodeur Canal+. Ah oui, les vieux, là, avec les codes que tu rentrais tous les mois. Je me souviens, mes grands-parents, ils étaient abonnés. Et puis, ils me donnaient le code et je rentrais le code tous les mois pour enlever le cryptage. C'était cool. Tu sais, les décodeurs avec la face inclinée, là, puis les boutons. Ah, on est vieux, hein. Donc, je sais pas, en fait, comment faire. J'ai pas envie d'être spoilé. Imagine, je dis, allez, on fait un point, tu sais, je fais le kéké, je me dis, bon, c'est bon, je suis arrivé bien loin. Et puis vous arrivez, ah putain, mais moi j'arrivais, j'ai fait ça. Ah putain, non, je voulais pas le savoir. Parce que moi j'engueule hein, les gens qui me spoilent, hein. J'aime pas. Hein. C'est pas parce que tu t'appelles Targan et que t'as fait Orion Prime que quand il m'a spoilé des trucs, je l'ai pourri. Hein. Je veux pas. Et d'ailleurs, il me l'a ressorti l'alchimie. Hein. Il m'a dit, oh putain, j'arrive sur son stream, l'autre il m'engueule et tout. Ah oui, ah ben oui. Ah ben oui, non, on me dit rien. Je veux jouer, moi. Je veux pas qu'on me dise, j'aime pas, je supporte pas. Eric Safar, pareil. Putain, Eric Safar, Atanor et Atanor 2. Oh la vache, il y a... Non, Eric, non. Non, tu dis rien. Le héros meurt à la fin du jeu. Ah, connard, salaud. Putain. Bon. Je raconte ma vie, mais en fait, j'ai envie d'aller dans le chemin là-haut. Ah oui, utiliser, allez, pardon. Là, je vais aller là, moi. Ah, je peux pas aller là. Alors pourquoi? Pourquoi tu dis que tu veux pas aller à l'est? Il y a plusieurs trucs. Qu'est-ce qui se passe? Là? Eh oh, ça m'intrigue, moi, ça. Ici? Oh. Toi, tu me cherches, toi. Je peux pas. Non, il y a un truc. Eh oh, Coco. Veuillez insérer la phase 2. Ah. Mais non, laisse, je suis con. Non, c'est pas un bug, c'est moi qui... Non, laisse tomber. C'est moi qui fais le con. C'est moi, mais à coup de pas, c'est moi, c'est rien. Alors, la phase 2. Non, c'est rien. C'est rien, vous inquiétez pas. Phase 2. Ah oui, alors voilà. Si vous êtes bloqué dans le jeu, ce qui peut arriver, une clairière, l'endroit est plus sauvage. Les gens de l'île se promenaient moins par ici. Je l'ai mal dit. L'endroit est plus sauvage. Je fais un peu comme Mamie Twink, tu sais, je parle un petit peu. Tu sais. L'endroit est plus sauvage. Les gens de l'île se promenaient moins par ici. Tu vois, tu fais un petit peu... Tu narres un petit peu. Eric, il dit qu'à chaque écran, tu peux appuyer sur F1, la touche F1, et ça te donne un indice. Alors ça, évidemment, c'est pour ceux qui, bon, n'ont pas de race. Mais 36-15 daron. L'endroit est plus sauvage. Les gens de l'île se promenaient moins par ici. Un petit lapin. Alors, une petite clairière. Putain, avec la musique, c'est génial. Je sais pas si vous l'entendez bien, la musique. Mais c'est... Tu vois, il faut jouer avec cette musique, quand tu fais ce genre de truc. T'arrives sur une île, ça fait longtemps. C'est désert. Ah. Alors, comment c'est? Nord. Bah, je vais aller au nord. On l'entend bien. Merci, Eric. Un bruit de source. Ah. Oh, il y a un petit son. Il y a eu un petit son. Moi, j'aime pas les clairières. Oui, montre-nous.
les indigènes, un ému local de Gandalf. Pourtant, vous ressemblez pas à un Balrog. Ah ouais, mais du coup, là, je commence... Là, je vais trop loin, là. C'est pas possible. Là, je vais beaucoup trop loin. Hein. Salut, Ayor Saeba. Bienvenue à toi. Là, je vais beaucoup trop loin. Il y a du monde. Hein. Ouh, le passerait pas. Putain. En fait, j'ai pas envie de continuer parce que... Non, je vais vous spoiler le truc. Est-ce que je peux repartir? Est-ce qu'il me laisse partir? Oui, ça va, il me laisse partir. Bon, c'est bon. On risque pas de crever. Gandalf le noir. Oh, non. C'est dégueulasse. Alors là, je vais essayer d'aller à l'ouest. Je peux pas. Alors, je vais aller à l'est. Je ne peux pas. Donc là, je peux aller qu'au nord. Ben non, je vais retourner au sud. Donc, il va me dire la face 1. Donc, on va chercher la face 1. Ok. Oui, alors, évidemment, notre ami de Belgique, Tarodius, l'avait déjà streamé, la version bêta. J'avais pas vu et je voulais pas regarder le stream parce que je voulais pas me... Je voulais pas me faire spoiler, en fait. Alors, c'est un sample 1 bit, donc faut être du genre... Oui, mais bon, l'effort est là. L'effort est là. Alors, le jeu fonctionne sur Xmas ou R4 pour éviter les chargements de face. Alors ça, je sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas pu le faire marcher sur autre chose qu'un 6128. D'accord. Et c'est génial. Franchement, c'est génial. Alors, Ayor Saeba, t'es arrivé un peu tard, mais Eric a mis le lien pour le jeu. Il est gratuit. Il est disponible ce soir. Voilà, pendant le live. Vous pouvez le télécharger et y jouer. Alors, préférez évidemment y jouer sur un émulateur. Sur, par exemple, WinAPE. Par exemple, WinApe ou WinApp. Hein, vous dites comme vous voulez. Et donc, si Eric peut remettre le lien, et bah, comme ça, bah... Vous pouvez aller le rechoper. Est-ce qu'on peut... Quoi? Jurer Marie-Thérèse? Pourquoi? Marie-Thérèse? Mais non. Marie-Thérèse, comme dans Le Père Noël est une ordure. C'est Marie-Thérèse? Ah non, c'est Thérèse. Alors, je veux aller... Par contre, est-ce que je peux dire aller dans la maison? Ah, je peux pas. Tu veux pas que j'aille là? Là, le puits. Et si je vais à l'ouest, utiliser aller. Donc là, par contre, à l'ouest. Ok. C'est orienté plein sud. Ah voilà, merci Eric pour le lien. La boulangerie. Ça fera plaisir à mon frangin. La boulangerie a gardé... Ah, pardon, je vous fais une voix là, Bambi Twink. La boulangerie a gardé son four à bois traditionnel. Que de souvenirs. C'est un peu glauque. Hein. Ah non, mais c'est trois petits points. C'est pas point d'exclamation. Hein. C'est... La boulangerie a gardé son four à bois traditionnel. Que de souvenirs. Ha. Ha. Est-ce qu'on met l'alerte spoil ou pas? T'as envie, hein? Quelle heure il est? 11h15? Est-ce qu'on se fait l'alerte spoil? En tout cas, c'est vraiment joli à première vue, bon boulot. Voilà. Donc moi, le truc, si on a fait le tour, Eric, si on a fait le tour de ce qu'on pouvait dire, en tout cas au niveau présentation, au niveau visite un petit peu, voilà. Moi, je voulais pas utiliser les autres actions, je voulais pas spoiler les gens. J'ai pas envie, tu vois, de commencer à... Voilà. Pour le moment, il n'y a pas de spoil. Mais il se peut que dans la soirée, voilà, il y ait une alerte spoil. Et dans ces cas-là, les gens s'en vont. Mais les... Après, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Eric? Voilà. Ceux que ça intéresse, ceux qui veulent et tout, je sais pas. Alors, est-ce que c'est chocolatine ou est-ce que c'est du pain au chocolat? On peut examiner. Hein. De toute façon, ça mange pas de pain. Ha ha! C'est nul. Vous trouvez une tranche. Voilà, on s'en paye une tranche. Comme dans Total Recall. Moi, je reste. C'est une darontine ce soir. Moi, je reste aussi. Bon. Alors, si vous restez, il y aura... Bah alors, pareil. Il y aura du spoil, mais un peu. Je vais pas
aller à fond dans le jeu, quoi, tu vois. J'y ai passé des semaines il y a 25 ans, ensuite depuis 2017, j'y ai passé des heures par intermittence. Ok. Vous avez... Oui, de toute façon, le fonctionnement du jeu, après, c'est pas sorcier. Vous avez bien vu comment ça se passait. On va retourner au sud. Je peux pas. Ah, mais non, je suis con. C'est au... C'est... Ah ! C'est à l'est. J'adore regarder tes vidéos il y a longtemps. J'étais très fan, ça me manque. Ah ah, des fans. On peut dire que c'est ok et que tu commences à jouer pour de bon JB. Allez, est-ce qu'on se fait... Alors, du coup, des bisous à ceux qui veulent partir, évidemment. Alors, je vais spoiler petit, mais vraiment petit. Hein. Alors, je vais retourner, évidemment, au début, parce qu'on va se le refaire à la loyale. On va revenir au début. Voilà, et donc on va revenir évidemment sur l'ouest. Spoil nous ! Mais non, je vais pas spoiler. T'inquiète, je vais oublier pour ma part. Je vais pas aller bien loin. Déjà pour plusieurs choses. En fait, pour deux choses principales. Vous inquiétez pas, ça sera pas un gros spoil. Déjà, d'une, je connais pas le jeu. Je suis pas allé bien loin quand je l'ai testé. En off, même si Eric m'a dit essaye-le en off un petit peu, en fait j'ai pas voulu le tester parce que déjà je voulais pas aller trop loin et je voulais en fait garder un peu de spontanéité, tu vois, si je découvre des trucs comme par exemple les indigènes, moi j'étais pas allé jusque là, donc je voulais garder un peu de, tu vois, un peu de fraîcheur pour le live, je trouve que c'est important. Et de deux, il est déjà 11h20, donc je vais pas aller bien loin non plus, je vais peut-être jouer encore quoi, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure grand max, mais on n'ira pas jusqu'à minuit. Voilà. Ça sera vraiment... Bon, allez, Barbarian. Ça sera vraiment, voilà, un petit truc, quoi, tu vois. Donc, vu que je connais pas et vu que j'ai peu de temps devant moi, je vais pas aller très loin. Mais je peux comprendre que vous vouliez partir. Ah bah oui, ça chute. Forcément que ça chute. Les gens s'en vont et je comprends. C'est normal. C'est normal. En tout cas, merci d'être resté pour ceux qui restent, en tout cas. Et merci en tout cas d'être passé pour ceux qui sont passés pour cette magnifique découverte et ce magnifique jeu d'aventure qui est devant nous et qui nous est offert par Eric, et merci à lui. Donc je vais continuer à jouer. Donc là, vous êtes prêts, c'est bon, tout le monde est parti, je vous laisse encore un peu de temps, allez-y, parce que là il va y avoir du spoil. Spoil alerte. Est-ce que je marque spoil? Ah oui, j'ai un truc texte qui défile. Ah, alors je vais marquer, attention, petit spoil, voilà, alors attention petit spoil, je vais le mettre, alors bougez pas, propriété, alors, pourquoi il défile, alignement, contour, alors regardez, on va faire les choses correctement, on va choisir une couleur, on va le mettre en rouge et noir, j'exilerai ma peur, j'irai plus haut que ces montagnes de douleur, en rouge et noir. Je vais pas le mettre en rouge et noir, en fait, je vais le mettre en rouge et blanc, comme ça on le verra bien. Alors par contre, texte qui défile, non, je vais pas le faire défiler. Hop, hop, attention, petit spoil. Voilà. Hop! Maintenant, vous êtes au courant. Mais vous êtes encore nombreux, en fait. Alors, qui c'est qui part? Ok, il va falloir que je surveille ça, super nouvelle. C'est bon? Vous avez le temps de partir? Le bandeau comme hier. Non, non, faut pas que ça tourne, parce que quand ça fait des trucs, ça, on perd en qualité. J'ai pas la fibre encore. Semaine prochaine. L'avantage de sortir aujourd'hui, quoi, c'est que... XR ou Shani ne craque pas ton jeu. Bah oui, j'arrive pas à te quitter. Oh, oh là là. Oh, des bisous. On se fait des bisous. C'est ça que j'aime bien dans cette communauté. On se fait des bisous. Bon, c'est parti. C'est bon, hein. Maintenant, si vous restez, vous restez, hein.
43 GX. Voilà. Et encore, putain, 43. Mais 43, quoi. Pff, c'est impressionnant. Merci encore. Hein. Putain, c'est dingue. Dingue. Vous savez, c'est quoi mon dernier gros score comme ça en viewer? C'était Sapiens. Alors, Sapiens, c'était il y a 3 ans. 2 ans, 3 ans. Alors, ça me fait plaisir, du coup, que ça soit pour Eric. Tu vois? Parce qu'il le mérite, putain. Bruno aurait aimé que le jeu soit commercialisé, mais moi, ça ne me tentait pas. Je préférais qu'il reste gratuit. Bonjour, Jérémy de Retro Red Rum. Alors, est-ce qu'on peut parler maintenant édition du jeu en physique? Maintenant, tu te démerdes avec Jérémy. Ça me flatte quand même, mais bon sang. Bah, bon, bah oui, mais voilà, tu vois, Eric. Tu vois. Allez, c'est parti. Donc là, maintenant que vous restez, vous assumez. Hein. Alors, moi, le premier truc que j'avais examiné, en fait, c'est le tonneau. Un tonneau, voilà. Et donc, j'avais, évidemment, un petit tonneau. Moi, je suis un gueudin. Ah oui, alors, des fois, j'avais remarqué que quand t'appuies, il faut vraiment attendre, tu vois. T'appuies et t'y vas. En fait, moi, des fois, je suis un peu trop vif. Vous trouvez un marteau que vous prenez. Si j'avais un marteau. Ok, nickel. Alors, je vais essayer d'aller... Alors, la maison... Hein, maintenant, on spoil, hein, on s'en fout. Hein. Hashtag sur le cul, évidemment. Mettez ça sur Twitter. Hashtag sur le cul. On va aller dans la maison. Alors, la maison, ici, j'avais rien trouvé. Moi, je vous le dis, hein, j'avais quand même fouillé la maison. Hein. Quand je vous dis que j'ai pas testé le jeu, j'ai quand même un peu testé le jeu, mais... J'avais fait quoi? Une ou deux baraques. Tu vois? Ben, Eric, il me dit, teste le jeu, je teste le jeu, quoi. Tu vois, j'avais regardé... Alors, pas aller, hein, n'importe quoi. Examiner. Alors, vous voyez, on peut examiner le marteau, si on veut. Et c'est rien de particulier, le marteau, évidemment. Ben, des fois, il y a des choses marquées sur les marteaux, attention. Alors, examiner, voilà, hop. Alors, tu examines la table, rien de particulier, ok. Alors, on peut examiner, évidemment, la commode. Il n'y a rien de particulier, hein, on n'est pas dans Gladiator, hein, c'est la commode. Alors, examiner. Alors, il y a quoi là? Ici, c'est un évier. Alors, un évier. Est-ce que je peux soulever l'évier? Alors, ce qui m'a intrigué, OIS. Bon, c'est qu'il n'y a rien. Quand il y a une connerie comme ça, c'est qu'il n'y a rien. Quoi? Vous en avez en comptant les... Ah, j'ai pas vu, merde. Qu'est-ce que c'est? Avec boîte et manuel ancienne. Quoi? Oh, qui c'est? À servir frais maintenant, fan du daron. Merci pour la suivance, à servir frais. Ça fait plaisir. On est remonté à 51, la vache. Mais quelle ambiance. Le miroir, c'est sûr. Alors moi, ce qui m'a intrigué, c'est que, tu vois, quand tu regardes la table, c'est marqué, il n'y a rien. Par contre, quand tu regardes l'évier, ça marque un évier. J'aime pas. Ça veut dire qu'il s'est fait chier... Tu vois, remplir, tiens, remplir l'évier. Ah, je peux pas, d'accord. La coupe est pleine, d'accord. Ah, ça n'empêche pas. Quand il y a une action qui est faite et qui du coup ne fonctionne pas, y a à chaque fois, il y a la petite phrase sympa. Moi, je me dis, il s'est pas fait chier à marquer un truc. Enfoncer, armé, détaché, attaché, cassé, donner... Je peux frapper, je peux péter en fait. Je peux péter avec le marteau l'évier. Paf! Non, la coupe est pleine, il veut pas. J'ai trouvé le lutinguer, non. Pastis pour tout le monde, pastis 51, bravo! Magnifique. Derrière le miroir. Alors, on peut examiner, effectivement, c'est ce qu'on avait fait. On avait examiné le miroir. Alors, évidemment, c'est un miroir. Et on avait examiné aussi... Alors, pas l'angle du mur, non. Casser le miroir. Alors, toi, t'es un bon, toi. C'est un truc, j'y avais pas pensé, ça. Alors, il y a un tableau aussi. On pourrait, par exemple, soulever le tableau, tu vois. Hop, soulever. Ok. Et OIS. Bon, alors, quand ça dit OIS, OIS la saucisse, ça marche pas. Alors, t'es pas con, toi, de frapper le miroir. Enfin, t'es un peu violent, hein. Ça, je te dirais pas d'aller consulter quelqu'un, mais... C'est pas bête de... Alors, comment, par contre? Casser. Tu vois? Avec le marteau, le miroir. Pas de violence, sinon je cogne. Ok. J'aime pas. J'aime pas quand il s'est fait chier à faire des trucs, tu vois? Je me dis...
Tu vois, ça cache quelque chose. Est-ce que je peux péter mon sonotone à péter avec la zik? Non. Casser le sol. Oh, on va commencer à péter les baraques. Est-ce que je peux soulever, par exemple, le miroir Oïs? Donc non, il n'y a rien. On peut tirer ou soulever la commode, hein, si on sent un peu l'âme... l'âme André le géant, si tu veux, tu vois. Vas-y, Riku, tu vas tirer ton coup. D'accord, ok. Ou Riton. Non, ça veut rien dire. C'est un jeu pisse. Non, il faut pas péter les trucs. Hein. Elle est bizarre, la couleur du sol. Oui, effectivement. Pourquoi faut péter le sol? Vous êtes des dingues, vous. C'est peut-être un tapis, en fait, tout simplement. Ah, Riku, c'était toi! Ah! Rien de particulier, non. Tirer sur la commode? Oui, c'est vrai que tirer, oui. Moi, je pensais que c'était tirer un tiroir, tu vois. Pardon. J'étais jeune à l'époque. Ah, on a tous été jeunes, qu'est-ce que tu veux? Ah, puis t'as toujours la pêche, Apollo! Bruno était un scénariste bien sadique et moi j'ai bien rajouté de l'humour dans le jeu. Non, c'est génial. Casser le sol. Putain, vous êtes des dingues, vous. Alors, je veux bien que ce soit un truc un peu barré, quoi, mais casser avec le marteau le sol. Non. Moi, je suis sûr, il n'y a rien. Je suis sûr que des fois, ça peut être aussi le truc, hein, c'est-à-dire que les mecs, ils ont mis un évier, un miroir pour que tu y passes, mais des plombes, puis en fait, il n'y a rien. Donc, je me casse. Ouvrir la commode ou évier? Mais qu'est-ce que tu veux ouvrir l'évier? T'as pas démonté le robinet? Bah je pensais que c'était ça, tirer la commode. T'as encore peur des filles? Oh mince, t'es toujours jeune. Quand on tape, quoi? Le verbe quitter avant dans l'ancienne version du jeu, il répondait par défaut, salaud tu me quittes pour un PC. Ah c'est génial! Oui, bah c'est ça, ça rappelle une période où on teste tout, quoi, tu vois. Alors, je vais essayer d'aller dans une autre maison. Ici. Cette case est inaccessible, donc c'est qu'on peut pas y aller, d'accord. Eh bah écoute, je vais aller à l'est, hein, je vais continuer. Ou un C64, d'ailleurs. Alors, est-ce que je peux aller, par exemple, ici? L'épicerie. Ah bah je suis jamais allé là. À l'origine, je voulais faire une interface comme la chose de Grand Tambour ou SRAM en fait. Ah, la chose de Grand Tambour, Edouardez l'a fait. D'ailleurs, des bisous à Edouardez. Hein. D'ailleurs, il a fait un live Edouardez récemment. Il me semble que c'était la semaine dernière. Non, ou lundi soir, je crois. Ah, la honte, j'ai même pas été le voir. Donc je sais même pas ce que ça a donné. Est-ce qu'il a fait du CPC? Parce que lui, c'est quand même notre représentant national sur les jeux CPC, Edouardez. Hein. Et il est jeune. Prends du PQ. Ah oui, du PQ et des pâtes. Ah non, pas cette saison. Je l'ai crowdfundé la saison dernière. Cette saison, bah, tu vois, j'achète des câbles en ce moment. Je suis en train de craquer, j'achète des câbles. Donc, défense-toi avec le marteau. Le mec avec son marteau, le marteau et la faucille comme dans la Cité de la Peur, quoi. Attention, chérie, ça va trancher. Alors, là, il y a sûrement des trucs à piquer. Il y a une porte, en tout cas. Là. Alors, rien de particulier. Ok. Alors, je vais examiner les rayons. Les rayons des magasins. Il n'y a rien de particulier. Ok. Je sens le jeu sadique. Je sens que je vais y passer des heures à fouiller chaque case. Mais je m'en fous, hein. Moi, j'ai payé pour ça. Ah oh là 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 là, salaud, va. Il y a des clopes? Ah non, il n'y a rien. Hein. Pardon. C'est le fait de parler, ça y est, hein. Je parle trop. Tu parles trop, tu parles trop. Tu n'écoutes plus personne. Et plus personne ne t'écoute.
Tu parles trop. Putain, y a rien en fait. Non mais c'est dingue ça. C'est son portrait craché. C'est fou quand même. Tu peux rien prendre quoi. Bonne soirée à tous. Un gros merci pour ce joli jeu. À toi et tes potes. Je viens juste de le télécharger. Bonne continuation. Merci Toug. Toug BZH, notre breton. Merci à toi. Le daron covidé, ça y est. Ça y est, je vais mourir. Oh, salut Laure. Salut à toi. Ça y est, Top Chef, c'est fini. Tu viens? Tu viens regarder les jeux d'aventure? T'arrives pour le moment... Ah bah voilà, t'arrives pour le moment, Ruk est à nous. Voilà, c'est bien. Les vrais, ils savent. Les vrais, ils savent. Ah mais il y a des filles ce soir. Il y a des filles. Ouvrir porte. Ouais, alors, gros pouce, il utilise ces trucs-là. Gros, ouvre la porte, mon Dieu. Attends, je fouille les étagères. Tu vas voir, c'est chiant quand je joue, c'est chiant. Ah, voilà, Eric balance le lien. Évidemment, le jeu est gratuit et est disponible ce soir en exclusivité. Magnifique, le saucisson. Le manoir de l'encore avec les digits vocales, c'était magique. Ah, le manoir de Mortevielle. 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 C'est génial, ça. Ça, putain, c'est chiant, c'est pas possible. C'est pas possible, il y a forcément des trucs à prendre là-dedans. Il y a la caisse, je veux des sous, de l'argent. C'est la caisse, tiens. Alors oui, alors je veux bien, mais du coup, qu'est-ce que je fais avec la caisse? On va péter la caisse avec le marteau. Putain. Alors, frapper, casser. Moi, je suis un dingue. Avec le marteau, je pète la caisse, moi. Moi, c'est comme ça que je braque les caisses. Ah, oh, pas de violence. Et, ah bah, prendre la caisse. Prends la caisse et casse-toi, barre-toi. Y a rien de particulier. Ah, c'est chaud quand même. Ouvrir la caisse. Ah, parce que je suis un dingue, moi. Ouvre. Ah oui. Avec le marteau. Oh putain! Ma première action du jeu. Oui! Le spoil à son paroxysme, oui! Bingo, l'épicier est parti en laissant la monnaie. Putain, prendre la monnaie, vite! Vite! Des bisous à MV, évidemment. Prends la monnaie! Ah, ça y est, je l'ai pris. Peut-être. Je l'ai pris. Quoi? Oublie quoi? Les sessions d'un quart d'heure sur le jeu, sur ce jeu? Je t'avais dit, le marteau, c'est la vie. C'est génial! Putain, j'ai de la monnaie! Top Chef, c'est en replay et JB en direct. Ah oui, c'est vrai. Mais moi aussi, je suis en replay, en VOD, sur YouTube. D'ailleurs, merci pour les gens qui suivent sur YouTube, ça fait plaisir. Il y a des gens qui suivent aussi sur YouTube. J'ai une chaîne, le Daron, voilà, il y a mes replays, hein, si vous voulez voir. Putain, c'est génial! Alors du coup... Ah, je l'ai pas pris à prendre. Ah, j'étais trop vite, en fait. Ah bah si. Si, si, Eric, j'ai pris. Regarde, il dit que j'ai plus rien. Prendre. Tu vois, je l'ai pris. Comment on voit l'inventaire? Il y a une, merde, tu m'avais dit. C'est dans la notice, je crois. Nanani nanana. Certains. Ah oui. Faut examiner, c'est ça. Je viens de le voir, Examiner, viens voir. Marteau argent. Waouh, ça y est, j'ai des sous. Nickel. Alors si je fais entrer. Ah, ce Castellar, j'ai un jeu, quoi. Cadeau aussi, oui, j'y vais d'arron. Bah ouais, bah c'est ça, écoute, qu'est-ce que tu veux. Je pète des caisses, moi. Alors attends, je vais ouvrir la porte. Grimpe dans l'arbre. Attends, j'ouvre la porte. Le propriétaire a laissé son argent. Comment? Et votre esprit est-il ouvert? Attends. Ouvrir. Je veux ouvrir la porte avec le marteau. Non, ça marche pas. Je peux pas, en fait. Ah, bah je fais aller, en fait, je suis con. Ah, attends. La porte est fermée à clé. Oh, putain. Faut trouver une clé. Je suis sûr qu'elle est dans le magasin.
Quelle case j'ai pas faite? Ça. Là. Rien de particulier. Il y a sûrement quoi une... Oh! Oh! Mais c'est pas vrai, vous êtes dégueulasse. Hein. Je suis sûr que la clé est quelque part. Bruno était vraiment sadique. Ah, c'est pas vrai. Il y a la clé, hein. Il y a la clé, hein. Je la veux, la clé. Tu me donnes la clé. Oui. Non. Rien de particulier. Putain. Vous voyez, il faut prévenir Castaner. Attention, là, je préviens. Hein. Je joue encore un quart d'heure. Hein. Après, j'arrête. Hein. Des boîtes de conserve. Tiens. Tu vois, ça, c'est sadique. Tu fais les rayons. Rien de particulier. Rien de particulier. Rien de particulier. Et paf, il y a une case boîte de conserve. C'est sadique. Mais j'aime ça. J'aime ça. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Prendre les boîtes de conserve. J'ai faim. Conserve. Tout baigne, patron. Ok. Putain, on va passer des plombes là-dessus. J'adore, j'adore. La clé dans la boîte du jeu, ça prend... Ah, voilà. Eric Safar, il mettait des petits indices. Dans le comptoir, il n'y a rien. Alors, par contre, ce que je vais faire, c'est examiner les conserves. Des boîtes de conserve, d'accord. Alors, est-ce que je peux les ouvrir? T'as voir qu'il va falloir un ouvre-boîte? T'es sérieux? Ah oui, d'accord. Il me dit ouvrir les boîtes de conserve. Ah, ouais, bah non. Et non. Et non, et non, et non. Ah, monsieur Targan est là. Bonsoir, Targan. Bienvenue dans ce stream. Nouveau jeu, voilà, Eric te le met à disposition. L'île au trésor, le jeu d'Eric Boula, ici présent sous le pseudo de El Director. Ce jeu est gratuit et disponible ce soir. Alors là, on est dans la partie spoil, je suis désolé. T'arrives dans la, en plein dans le spoil. Décidez-moi, décidez-moi. N'importe quoi, excusez-moi, c'est le Covid-19, n'importe quoi. Oui, en plus, j'ai prévenu. Hein. Alors... Là. Je sens bien le truc. Cassé. Frappé. Lancé. Lance la boîte de conserve. Non. Ça aurait pu. Tu balances la boîte, tu la pètes. Putain. Bon, j'ai pas la clé, donc ça se trouve, faut peut-être se rendre chez le... Rien de particulier. Chez le mec qui habite là, quoi. Bon, tu sais quoi, c'est pas grave. Je vais aller au sud. Et je me casse d'ici. Ah, par contre, je peux peut-être aller à... Il y a peut-être une arrière-boutique. Non. Bon, bah c'est pas grave, je sors. La Covid-19. Ah, pardon. Ouh, le marteau. Les gens, ils vont tout péter avec le marteau. Bon. Oui. Je vais aller... Alors, vous voyez, la boussole a un peu tourné, donc il faut aller à l'est. Allons à l'est. Oui, c'est propre, hein. J'aime bien la musique. T'arrives sur un truc... L'école. Ah, faut que je vous fasse une voix off à la Mamie Twink. L'école. Pas d'enfant dans la cour. Pas d'enfant dans la cour. Ah ben non, il n'y a pas de point d'interrogation. Pas d'enfant dans la cour. Voilà, c'est tout. Quoi, tu fais un gilet jaune? Ben, pff, n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Examiner. Qu'est-ce que c'est là? C'est des jeux, ça? Ah oui, mais ça, je l'avais déjà vu, ça. Rien de particulier. Tu déconnes, là, ou quoi? Il y a un truc, là. L'arbre? Non. Peut-être faut passer plusieurs fois sur la même case, le sadique. C'est pas con, hein, gros pouce. Étrange. Juillet 1944. Les nazis débarquent. C'est Baby Twink. Ah non! Ah non! Eric! Non! Attention, hein, Targan, il va te dire, hein. On va le foutre en colère, hein. Il va gueuler, sinon, hein. Non. Montez dans l'arbre.
Ah non! Que les autres me donnent des trucs en me disant « Essaye ça !» Mais pas toi, Eric, pas toi! Ah non! Je donne que des conseils pourris. T'as intérêt, hein? Je te connais, donc je sais que tu peux me donner des trucs de merde. Je sais, hein? Mais fais attention, hein! En plus, tu me l'as mis en gros surbrillance et tout. Monter dans l'arbre. C'est pas con, en fait. Par contre, je peux regarder l'arbre plus haut, par contre. Ah! Pas de chance, un oiseau vous chie dessus. Ok, ce genre de truc, t'as le droit. D'accord, c'est bon. J'ai compris. Alors, monter dans l'arbre, oui, Laure a peut-être raison, oui. Tu montes, chérie. Tu montes. Eh non. Je ferai exprès de te faire crever. Bah oui, je te connais bien là. Je te reconnais bien là. Il y a un nid contenant un couteau. Mais non. Par contre, du coup, est-ce que je réexamine derrière? Tu vois, ça c'est le problème, ça. C'est tellement sadique que je fais ça. Non, alors du coup, l'oiseau me rechie dessus, quoi. Le marteau sur la conserve. Je suis toujours là. L'espèce de cumul qui sert à rien, tu sais. Les enfants. Bah oui, bah voilà, les enfants sont restés chez eux, ils sont porteurs sains, voilà, ils sont asymptomatiques. Lance la conserve sur l'oiseau. Des os. Mais non, pas des os. Mais non, non, faut proposer des choses. Frappé là. Mais non, 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 attends. Est-ce que je peux par exemple aller au nord encore ou pas? On part au nord. Ah, il y a aller. Comment ça se fait? C'est là que vivent les contes de fées. Quoi? Dans l'arbre? Aller? Non. Pourquoi tu veux pas que j'aille au nord? Là? Cette case est inaccessible. Ah! Ouais, mais c'est bizarre. Ça veut dire que... Non. Non. Construire radeau avec marteau. Écrasage, c'est dégueulasse. Vous êtes dégueulasse. Ah, vous n'êtes pas Alain Bougrain du Bourg hein, avec les oiseaux. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouvrir la conserve. J'ai essayé, ça marche pas. Non, je vais aller... Là. Salut, Gant. Prends bien ton prochaine base sur ton nouveau jeu d'aventure. Oh putain, oui, j'avais vu ça. Il y a un joli fuck dans le truc. Ah, c'est une référence à SRAM. Bah, me spoiler pas SRAM, je l'ai jamais fait. Alors oui, vous allez me tuer, mais bon. Non, je connais pas mes classiques. Non, non, SRAM, je l'ai jamais fait, faut que je le fasse. C'est prévu, mais c'est des jeux où il y a des solus, alors c'est plus marrant. Alors, examiner le tableau. Sur le tableau est inscrit la date d'il y a 2 mois. 2 mois? C'est à peu près la date du confinement. Non, j'ai jamais fait SRAM. Hein. Pauvre piou piou. Bah, je sais bien qu'SRAM, c'est la base, mais je l'ai jamais fait. Eh, très sincèrement, j'ai fait Orion Prime. Hein. Ouais, c'est bon. Hein. Moi, j'ai réussi ma vie. Hein. Regarde bien, c'est écrit. Oh, Coco, non. Non, non, non. Des bisous à Descartes, évidemment. Oh là là, mais non, faut pas dire ça. Et qu'est-ce que tu fais de tout le speech que j'ai dit sur l'amour entre Amstradiste et CPCiste et Amigaïste et Atariste? Qu'est-ce que t'en fais, du coup? Au chiotte, c'est ça? Ah! La maîtresse en maillot de bain. Il devait venir ce soir? Eh oui, c'est vrai qu'il devait venir, en plus. Il a fait de la pub et tout. Sur son groupe. Désos, Soso. Désos, désos. Alors, je vais examiner le fuck, parce que c'est des punks, en fait. Il y a des punks, ici. Ah, rien de particulier, ok. Il y a un bouquin. Ah oui, je sais ce qu'il y a, ici. Il y a ça. Il y a le plan de l'île. Ah, c'est grand, hein. C'est grand. C'est un punk à créer. C'est vrai. C'est le punk qui dit, je vais mettre un graffiti, mais je le mets à la craie, comme ça la maîtresse, elle pourra l'effacer, tu vois.
Ou alors il a mis du Tipex. Mais alors vu comme c'est écrit gros, putain, il a dû en mettre du Tipex. Hein. Tu sais où les petites souris de merde là que tu pètes tout le temps là. Je vois pas où est la braderie. La braderie de Lille. Vite un calque. Vite. Mais non, regarde, il y a mieux qu'un calque. Tu peux prendre. Carte de Lille. C'est bon, hein, ça. On peut prendre la carte, voilà. Bravo, Denis. C'est un petit punk, quoi. Voilà. C'est un mec, voilà. Il assume pas, quoi. Il est punk, mais il assume pas, tu vois. Vous lisez. Oh. Le village se vide. Tout le monde fuit la malédiction du manoir. Bon, je la refais parce que je l'ai pas bien. J'étais pas dans le ton. Vous lisez. Le village se vide. Tout le monde fuit la malédiction du manoir. C'est mieux. Voilà. C'est un punk centriste, voilà. C'est un Bayrou. C'est un Bayrou un peu rebelle, quoi, tu vois. Le mec, il y a... C'est un Bayrou un peu extrême-gauche, tu vois. C'est le centriste qui a un peu le pied besancenot, tu vois. Tu sais pas, quoi. Quel acteur, oh, magnifique, voilà. Je fais aussi les mariages, les enterrements, les baptêmes, tout ce que vous voulez. Quoi, vous lisez, tu es pas obligé de jouer. Mais si, il faut le jouer. Mais oui, attends. Un Bayrou, oui, c'est ça. C'était grave. Mais j'ai rien contre les roues. Voyons. Est-ce que je peux examiner d'autres choses, par exemple? Là, est-ce que je vais trouver une trousse avec des crayons? Des crayons de couleur. Et des feutres. Des crayolas. Vous n'examinez rien. Bah, comme ça, au moins, c'est clair. Surtout deux roues. Les deux roues? Les deux roues, c'est Soloren Zero, les deux roues. Il est jaloux du joueur du grenier? Ah, le joueur du grenier. Rien de particulier. Est-ce que je peux, par exemple, soulever le tableau? Ou soulever une table? Oïs. Non, il n'y a rien. Oïs, la saucisse. 13 objets, t'as dit Eric, dans l'inventaire. Aux fenêtres. Casse les fenêtres. T'as pas assez de biceps. Oh, JDG, c'est de la merde. Bah non. Les hashtags de Soso. 13 objets max, d'accord. Casse les bureaux. Non. Ça, non. Non, je vais me barrer. Par contre, là, il n'y a plus la boussole. Oula. Il y a eu un poum. Poum. Bon. Ah si, j'ai la petite musique. Ah, elle manque à certains endroits. Ouais, mais c'est pas grave, on sait. On va au nord, on va au sud, ça va. Je peux pas? Pourquoi je peux pas? Je suis coincé? Ah! Veuillez insérer la phase 2. Ok. Et c'est parti. Elle a réapparu! J'ai quoi comme objet? Un marteau, de l'argent, une carte. Et un chemin. Et les conserves, les boîtes de conserve. Évidemment. Évidemment. On voit la mer au loin. On a la musique un peu du mystère sur le chemin. Je vais aller au nord. Je peux pas. Ah mais non, je suis con. Faut que j'aille au... À l'est. Il y a des buissons, tu vas me dire. Est-ce que j'aurais pu examiner les buissons? Oh, je suis sur la plage. Ah, ah. Sur la plage abandonnée, coquillage et CPC. Magnifique. Je peux tirer les oiseaux? Non. J'entends une source. Il y a la plage. Est-ce que je peux examiner la plage?
Je peux pas apparemment. Prendre... Non, je veux rien prendre. Je veux examiner la plage. Je peux pas. Non, il n'y a rien ici. Et si j'examine la flotte... Je peux rien faire. Dans l'eau. Prendre herbe. Ben non, il m'aurait dit c'est de l'herbe. Tu peux la prendre. Poser. Non, je vais pas poser quelque chose. Non, non, non. Je vais poser. Non, mais... Ah, c'est pas poser que je veux faire, merde. Prendre. Oh, une source. Prendre. Mais prendre de l'herbe, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec de l'herbe? Fumer herbe, oui, voilà. Soulever sable. Se reposer, dormir. Est-ce que je peux aller comme un con? Alors, safe state. Alors, je vais faire un 128K parce que j'ai peur. Et je vais marquer l'île au trésor, c'est mon dossier. Et je vais marquer la plage, comme le film. Est-ce que si je vais à l'est, est-ce que je me noie? Faire pipi, aller se baigner. Votre ancien coin de baignade favori. Ouais, faut faire 128K, ouais, ouais, je préfère. Histoire d'être sûr. Oui, donc en fait, j'étais pas encore vraiment au niveau de la plage. C'était plus une vue globale. Alors là, est-ce que je peux examiner le sable? Rien de particulier, voilà. Alors, je vais examiner la mer. Qu'on voit danser le long des golfes clairs. Non, mais il n'y a rien. Allez, mer, tu crois? Si je vais au nord, par exemple, est-ce que le mec va aller plonger dans l'eau? Un chemin. La promenade continue. Il y a des petits rochers, là. En tout cas, je suis déjà au bout de l'île, en fait. Non. Je pense que là, c'est un chemin, c'est un écran de transition, on va dire ça. Tu vois, parce que là, il n'y a vraiment rien, quoi. Non. On va aller au nord. Je ferai une carte, hein, de toute façon. Une source! C'est le petit clin d'œil à Sapiens! Ouais, mais les cailloux, il n'y avait rien. Attends, 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 tu me fous le doute. J'ai fouillé les cailloux. Attends, il y a la source. J'entends une source pourtant. Je les ai pas examinés. Soulevez, tu vas me dire, peut-être, les cailloux. Ouais, mais tu vois, en fait, l'écran est composé, comme je disais, de 4 lignes et de 5 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4. Donc, c'est assez réglé, tu vois. Là, tu vois, tu n'as rien. Le niveau dans les égouts, comme dans Tortue Ninja. Ou alors à côté, c'est-à-dire là. Non, tu vois, non. Je pense que c'est un écran de transition, très sincèrement. On va aller. Au pur de la source. La source. Et toc, il est mort. C'est clair, il n'y a rien. Non, je pense qu'il n'y a rien là. À cet endroit-là, il n'y a rien. Là, il y a la source. Ah, on voit plus la boussole, tiens, par contre, du coup. Soulève rocher. Ouais, mais... Il n'y a rien, en fait, tu vois. Il aurait marqué, il n'y a rien de particulier ou quoi. Là, quand tu fais, il ne marque même pas un truc en dessous. Le luxe, il se paie des écrans de transition. Ah bah, attends. Non, mais oh. Entre dans le souterrain. Ouais, mais j'ai peur. Je vais examiner. Il y a des champignons au-dessus, sur l'arbre. Rien de particulier. Mais oui! Là, vous n'examinez rien. Il y a des champignons sur l'arbre. Creuse. Champion. Champion sur l'arbre. Non, attends. Allez, hein. Allez. Attends, examinez. Et les broussailles. Et les broussailles. Le maquis. Non, vous n'examinez rien. Je peux boire. Je vais crever.
Pourtant, l'eau, elle est bleue. Un beau bleu comme ça, ça se boit, ça. Allez, boire à la source. Je vais mourir. Boire ou conduire, il faut choisir. Ah, bon, bah c'est pas ça. Moi, j'ai choisi les deux. Fume les champignons. J'ai une pièce dans la fontaine. Non, mais bah, oh, on n'est pas à Venise non plus. C'est un beau bleu Amstrad, effectivement. Il n'y a pas le verbe creuser. Casse l'eau avec le marteau. Non, mais vous avez fini de dire des conneries. Boire. Mais boire, ça, moi, ça m'agace. Hein. Moi, je veux boire, moi. Non, il veut pas. Faut examiner les fourrés. Prendre conserve. Oui, je pense que je vais faire aller dans le trou, je pense. Ouais. Ça m'a l'air une solution voilà, plausible. Allez. Dans le trou. Pas par là. Ok. Et si je vais au nord? Je peux pas. À l'est? Je peux pas. À l'ouest? Je ne peux pas. Ah! Il veut pas que j'aille dans le trou. C'est peut-être trop petit, ça me dire, simplement. Hein. Je pas par là. Non, je peux pas. C'est pas possible. C'est pas gratos, ça. C'est pas gratos. Monter, descendre. Eh, hey, Manu, tu descends. Ah, pourquoi faire? Bah, c'est ton destin. Et les keufs et les meufs dans le RER. La banlieue, c'est pas rose. La banlieue, c'est morose. Alors, prends-toi en main. C'est ton destin. Putain, il n'y a rien à faire, non. Remplir. Mais j'ai rien à remplir. Remplir ma conserve. Avec la coupe est pleine. Non, je peux pas. Réessaye action aller à la case au-dessus. Celle-ci alors. Non, pas par là. Ah, j'aime bien quand ça me... Quand ça me résiste, tu vois. Il tente peut-être une gourde. Ouais. Et j'espère que tu me spoiles pas, Roud. Hein. Et ben, vous savez quoi, les amis? Il est minuit moins 2. Et là, j'ai déjà été trop loin, en fait. Pas trop loin dans le jeu. Trop loin dans les heures. La plage, je vais marquer... Ouais, en fait, j'ai pas tellement... Je vais marquer là, le chemin le long de la plage. Voilà, ça, c'est mon... Le nom de mon SNA. Ok. Alors, les petits amis. Moi, je vais m'arrêter là. Je vais arrêter la petite musique. On va reprendre celle-ci. On va se retrouver sur la scène. Et donc, on va donc se quitter ce soir. Pas de Barbarian, pas de musique. C'est le stream d'Eric. C'est un stream un peu spécial. Vous avez été très nombreux. Extrêmement nombreux, comme jamais. Donc, merci. Merci. Évidemment, à vous tous. À ceux qui étaient là au début. À ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je vois que mon petit compteur là, de viewers, là au-dessus, en haut, là, il est là. Voilà, 40 GX. 40 GX. Et évidemment, merci et bravo à Eric. À Eric Boula pour ce jeu que j'ai putain envie de défoncer maintenant. J'ai envie d'y aller, quoi. Donc... Je sais pas. Je jouerai évidemment en off. Je sais pas si on fera des petits points réguliers. J'ai vraiment pas envie d'être spoilé. Voilà, j'avancerai. Le jeu est dur. D'après Eric, c'est un jeu très très dur. J'enregistrerai les musiques pour la radio. Ben, il n'y a qu'une musique, la musique d'intro. Avec Arco Striker. Bon, ouais, c'est bon. C'est mes débuts. C'est mes débuts. Là, je stagne, j'avoue. Parce qu'il faut que je fasse, faut que je termine la musique, là. Donc, du coup, félicitations aux auteurs, voilà. J'enregistrerai la musique. Écoute, ça me fera plaisir. Donc, voilà. Donc,
félicitations encore, Eric. Merci à vous tous d'avoir été là, présents pour la présentation, pour tout ça. Je ne sais pas combien de gens ont pris le jeu et combien comptent y jouer. La semaine prochaine, donc, on se retrouve avec un live du Daron, évidemment. Hein, c'est 22h, les lives du Daron. Il y aura peut-être un petit point Daron. Je dirais peut-être no spoil. En fait, je me ferai, ça se trouve, un petit point égoïste. C'est-à-dire que je me dirais peut-être moi, en fait, tu vois, en disant, bah voilà, moi, j'en suis là. Ou j'en sais rien. Ou alors, est-ce que je laisse un peu de temps? C'est-à-dire que le premier qui finit, il dit, c'est bon, j'ai fini. Et puis voilà. Merci pour cette découverte. Mais non, mais merci à vous. Merci à vous d'avoir été là. Moi, je ne suis qu'un pantin, tu vois. Puis vous êtes au-dessus, puis voilà. Puis moi, je bouge comme ça, tu vois. Puis je fais le con, comme ça. Donc non, ce soir, il n'y aura pas de Barbarian, il n'y aura pas de musique, il n'y aura pas de guitare. C'est la soirée d'Eric. J'ai déjà dit assez de conneries, moi, au début, qui me concernent. C'est la soirée d'Eric. Je suis en tout cas très content qu'il y ait eu autant de monde que Sapiens. Je sais pas jusqu'où on est monté, mais putain, c'était beau. Ça fait plaisir, ça me fait plaisir pour Eric. En tout cas, merci à tout le monde pour les hosts. Merci pour les follow, pour les nouveaux qui sont là. Merci pour les beats, tous ceux qui ont donné des beats, merci beaucoup. Merci aux modérateurs, hein, Shoryu et Coco, évidemment, les modérateurs. Merci à vous, évidemment, les viewers. Merci aux filles, les filles, les bisous aux filles. 53 GX à un moment, ouais, c'était putain, c'était beau, quoi. Et puis, quoi vous dire, les petits amis? Eh bah que c'est beau, quoi. Que c'est beau, vous voyez? C'est l'Amstrad, c'est beau, tout le monde est là, quoi. 56 GX, oh là 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 là, oh là 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 là. Il est minuit, on est 41. Je vous aime. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je vous aime. C'est beau, c'est beau. On fait de l'Amstrad CPC devant plein de monde. Oh là là, c'est magnifique. En tout cas, voilà, à minuit, pour moi, c'est l'heure du crime. J'ai hâte, vraiment hâte, de m'y foutre pleinement dans ce jeu. Alors du coup, GRS12, il va gueuler. Il va dire, oh, mais t'as pas joué à mon jeu. Ouais, mais putain, Dragon Attack, il est chaud la vie, quoi. Là, putain, les jeux d'aventure, c'est mon truc, quoi. D'ailleurs, mon jeu de cœur, c'est un jeu PC, et c'est Shadow of the Comet, hein. Oh là là, quel jeu, quelle ambiance, putain. Alone in the Dark aussi, mais le premier. Mais putain, Shadow of the Comet. Oh là là, Lovecraft et tout. Ça, c'est un de mes jeux. Top, 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 tu vois. C'est bon, le CPC, ouais. Ah oui, Shadow of the Comet. Oh là là. Puis les musiques de Philippe Vachet, quoi. Putain. D'ailleurs, j'ai hâte d'avoir les musiques de Little Big Adventure, là. Qui réorchestre. Ah, j'ai voulu absolument avoir le vinyle et tout. Putain, je veux, putain. Je veux. D'ailleurs, je lui ai dit, putain, mais réorchestre voir Alone in the Dark et Shadow of the Comet. Je lui ai dit, putain, réorchestre. Ah, il y a déjà LBA, ouais, putain. Ah, LBA, la vache. Arrête. Ouais, c'est... LBA à streamer, c'est chaud. Hein. J'avais tenté une fois. Putain, il est hard quand même. Hein. Quand tu jettes la balle et tout, c'est chaud. Hein. Il l'avait reconnu d'ailleurs, Frédéric Rénal, quand même. Hein. Après, en disant, quand il l'a adapté sur tablette, il a reconnu que le fait de jeter la balle sur PC, il avait quand même été chié. Quoi. Mais bon, voilà. Revenons à nos moutons. Encore bravo, Eric, pour ce jeu. J'ai vraiment encore, et je le répète, hâte de le faire en off. Voilà. Parce que je ne vais pas attendre une fois par semaine pour le faire. Et malheureusement, je ne peux pas streamer pour le moment plus que ça. J'aimerais bien faire un deuxième soir, comme je vous le dis toutes les semaines, mais j'ai du mal encore. Quoique, j'ai quand même streamé hier soir hein, pour les fidèles qui étaient là. Bonne soirée à vous tous. Évidemment, bonne soirée à vous tous. Je crois que c'est Didier Chanfray qui a les droits sur LBA. Sérieux? D'accord. Perso, j'aime bien les shoots. Ouais, Rafa aussi aime bien les shoots. Coco aussi aime bien les shoots. Putain, oui. Alors, la semaine prochaine, normalement, il y a la fibre. On va streamer de l'Amstrad en 4K. Ça va être génial, en 60 FPS. Bon, on va tout péter. Ça va être génial. Je vous remercie pour la découverte de cette chaîne. Ah, bah écoute. En tout cas, ouais. Franchement, les gens qui viennent là, les nouveaux, ouais, ça fait plaisir, putain. Merci à vous. Alors, je ne sais pas comment vous avez découvert la chaîne, mais
Merci. Est-ce que c'est le fait qu'il y ait beaucoup de viewers dans la case rétro sur Twitch qui font que les gens viennent voir par curiosité, puis voient un espèce de con qui joue à l'Amstrad CPC là. Alors j'étais sur émulateur là ce soir, mais Eric conseille de jouer sur émulateur évidemment, sur WinAPE, pourquoi pas, voilà. Évidemment, il y aura la VOD sur YouTube, comme tout le temps. Hein, il y a une chaîne Le Daron YouTube. Une espèce. Ouais, pardon, excuse-moi, Moon. Avec une bonne qualité d'image. Voilà, on va essayer de se faire, tu vois. J'ai encore 2-3 petites alertes à régler. Peut-être un petit layout un peu propre qu'il faut que je fasse. On va remettre ça. Voilà, ça va être nickel. Hein. Je t'ai découvert sur YouTube, je te regarde depuis longtemps. Oh la vache, c'est son premier live. Oh, c'est génial. Oh, c'est super. Ah, j'adore. Ah, je vous adore. Mets ta musique sur YouTube, s'il te plaît. Laquelle? Merci JB, merci Eric. Prenez soin de vous tous. Oui, évidemment. Prenez soin de vous. Ah, des bisous, Dilou. Ah, Dilou, elle est là. Elle parle pas beaucoup, mais elle est dans l'ombre, tu vois. Et un conseil de daron. Hein, BFM TV ne vous le dira pas, mais... Restez chez vous, restez confinés, d'accord? Encore 15 jours, d'accord? Attendez qu'il y ait une deuxième vague, faites gaffe, prenez soin de vous. Les masques, les gants, c'est jamais trop prudent, en fait. Les masques, les gants, le gel hydroalcoolique, il y en a plein. J'ai fait mes courses, moi, ce matin à l'Intermarché, les rayons sont blindés de gel hydroalcoolique. Les rayons sont remplis de tout. Il n'y a pas trop de monde. Faites gaffe. Voilà. Le gel, le machin, tout. Faites attention. Moi je fais mais vraiment les ceintures, la bretelle, tout. Je fais gaffe, quoi. Tu vois, j'ai des fringues pour aller faire mes courses. Quand je reviens des courses, j'enlève mes fringues, je change de fringues. Je préfère faire attention. J'ai 2 gamins. Même si les gamins asymptomatiques et tout, on sait pas. On sait rien de cette saloperie. Faites gaffe. Faites attention. En attente d'un traitement efficace et d'un vaccin, qui c'est pas pour tout de suite, faites putain de gaffe, quoi. Faites attention. Je brûle mes fringues, tout, moi. Je crame tout, moi. Non, je change de fringues, sérieux. Non, je fais gaffe, quoi. Ce serait con de gâcher tout ce travail. Eh ben oui, bien sûr, hein. Lavez les gants en arrivant avant de les enlever. Mais non, mais faites gaffe, quoi. Putain, faites gaffe. Les masques et tout, faites attention, quoi. Tu vois, il y a avec un poil devant tout le monde. C'est moi, exactement. Je crame tout. Sortez avec votre CPC, restez chez vous et jouez à l'île au trésor. Voilà. Bonne nuit, les gens. Bonne nuit à tous. Merci encore. Des bisous. Oui, effectivement, j'ai vu passer. Je mettrai le lien de la musique que j'ai trouvée là. C'est pas mal. Elle est bien. C'est pile poil dans le ton, en tout cas. Moi, je roule des pets à tous les SDF. Bah, c'est dégueulasse. T'es dégueulasse, Targon. T'es dégueulasse. C'est clair que j'ai envie que ce soit résolu pour la fin d'année. Bah, le vaccin, disons que c'est pas tout de suite, quoi. Ce sera plutôt, je pense, tes protocoles, tout ça. Ça sera plus, je pense, l'année prochaine. Traitement. Je pense qu'un traitement efficace, peut-être fin d'année. Mais voilà. Je suis pas BFM TV, mais bon. Faites gaffe, quoi. Sortez pas tout de suite. Non, regardez en Allemagne, c'est l'horreur. Faites attention. Crame pas le CPC, non. Bonne nuit à tous, des bisous, encore merci à Eric, merci pour cette soirée, merci pour tout, des bisous, je vous quitte. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, évidemment, pour autre chose. Peut-être un petit bout d'île au trésor, mais je sais pas, on verra bien. Et abonnez-vous au groupe Facebook, oui, Amstrad.eu, abonnez-vous à la chaîne de Comenor, abonnez-vous à plein de choses, il y a plein de choses. L'Amstrad, c'est cool. Merci à tous, des bisous. Bon after pour certains, oui, bon after. Et à la semaine prochaine.